Ça devrait être bon. Alors. Paf, paf. Ah, terrible. Terrible. Normalement, ça devrait bien mieux se passer. Ça devrait normalement mieux passer comme ça. Donc, bonjour à tous et à toutes dans les inepties de Ozaki Show. Mais effectivement, petite erreur un petit peu de programmation, puisqu'en effet, ça peut planter au début, ça ramait énormément. J'ai fait des réglages. Théoriquement, ça devrait mieux se passer. On est dans une résolution un peu plus dégueulasse, théoriquement, mais juste, ça devrait mieux se passer. Mais je touche du bois parce que bon, on sait jamais, mais normalement, ça devrait mieux se faire. Alors rapidement, on va savoir ça tout de suite. Rapide, hein, juste faire ça. Je vais me mettre dans le jeu. Normalement, ça devrait bien se faire. Au moins, je vais savoir ça tout de suite si ça rame ou pas. Sinon, on relancera tranquillement. C'est pour ça que je réexpliquerai absolument tout. Ça fait rien pour avoir une rediff propre. Mais normalement, ça devrait bien le faire. Devrait mieux le faire que juste avant. Alors, est-ce que ça rame? Normalement, non. Normalement, ça ne rame plus. Ok, normalement, ça rame pas. N'hésitez pas à le dire, hein, ceux qui sont un petit peu là en train de regarder un petit peu ce live un peu qui rame beaucoup au tout début. Mais bon, encore une fois, les jeux PC, je l'ai déjà expliqué. Hein, pour le moment, ça va. Ah, pour le moment, ça va. Ah, pour l'instant, ça va. Non, ça va. Non, théoriquement, c'est bon. Théoriquement, c'est 100% bon parce que j'ai changé la résolution. Parce que c'est encore une fois, c'est OBS qui tire le plus sur le jeu. Donc forcément. Non, c'est bon. Ouais, non, c'est 100% bon. C'est 100% bon. N'hésitez pas à le dire. Comme ça me permet de savoir si c'est bon. Comme ça, je pourrais faire après mon petit truc. Théoriquement, là, ça devrait bien jouer. Ça devrait bien jouer. Hop, hop. Je regarde un petit peu en même temps. Moi, sur mon rendu, en tout cas, il n'y a pas de problème. Moi, on me dit aucun souci, ça va nickel de chez nickel. Juste 40 FPS, c'est un peu bizarre quand même. Hop. Peut-être faire ça, peut-être faire ça. Non, je suis déjà en 60, donc j'ai rien dit. J'ai rien dit. Donc ça va, donc c'est parti. À voir avec les mobs. Non, avec les. Ah ouais, à voir avec les mobs. Attends, j'arrive. Sinon, ça va. Ça, donc c'est bon. Ah, les mobs, tu vois, dès qu'ils voient des mobs, ils aiment pas trop ça, mais. Ok, normalement, c'est bon. Même sur mon rendu, hein, j'ai pas de problème. En tout cas, OBS me dit pas qu'il y a de problème. Non, non, c'est bon. Normalement, théoriquement, ça devrait être bon. Comme ça, on pourra refaire un petit enregistrement dès le début, comme ça, tranquille. On n'a rien vu. C'est que le début. C'est que le dé Encore une fois, c'est que. Dieu merci, c'est que là. C'est que dès le début, comme ça galère. Mais enfin. Ok. Re à toi, Benjamin. On fait juste des petits tests pour savoir est-ce que ça passe, est-ce que je peux enfin me lancer dans l'aventure. Donc, oui, ça va. Bon. On va refaire une petite présentation rapide, évidemment pour les inepties. Hop, hop. Donc, bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur les inepties du Ozaki Show. Effectivement, on est de retour pour jouer à Ghosts'n Goblins Resurrection, un jeu que on est le 22 janvier 2022. Ce matin, j'ai lancé directement la review. Elle a plutôt plu à pas mal d'entre vous. Et effectivement, bah, aujourd'hui, directement sur Twitch, on va jouer à ce fantastique titre. Alors, j'ai déjà fait une intro et tout, mais juste à. C'est un petit peu beaucoup planté et ramé. Donc, du coup, effectivement, là, on va se lancer officiellement dans l'aventure et ça va être rocambolesque. Alors, je précise un petit peu, ça va peut-être ramer de temps en temps un petit peu. C'est le PC, c'est OBS qui tire un peu sur le processeur. Et du coup, bah, c'est un peu la galère. Mais enfin, voilà. On va jouer à ce fantastique titre incroyable, mais vrai. Il y a pas mal de petites choses incroyables à montrer. Et ça va être top. Donc là, ça va. Donc là, on l'a déjà fait. J'ai expliqué juste avant. Non, on va pas jouer en paladin. On va jouer en chevalier. Et ça va être rigolo. Bref. On va se faire ça tranquillement. On va essayer de faire absolument tous les niveaux. Il y a 7 niveaux. On va faire toute la première loupe. Et ça va être retors. De ouf, parce que, bah, évidemment, le jeu est régi totalement par la RNG. Je vais devoir récupérer énormément de petites fées et surtout essayer de faire du beau jeu, hein, littéralement, on va pas se mentir. Ça va être rigolo. Ça va être rigolo, donc on va se lancer ça tout de suite. Ok. Allez, le sel est déjà là. Effectivement, le sel, ça va être terrible. Ça va être terrible. Mais bon, encore une fois, déjà. Rien que le début, déjà, ça m'a salé, hein. Avec tout ce qui ramait, avec le jeu qui voulait pas et tout, déjà, ça commence bien. Ça donne une indication que c'était
peut-être pas le bon jeu qu'il fallait faire aujourd'hui, mais bon, c'est parti. Donc, rapidement, Ghosts and Goblins, c'est un jeu d'action plateforme typique. Évidemment, on est Arthur, évidemment, on peut avoir des armes supplémentaires. Donc là, j'ai le mythique javelot et on est dans le cimetière. Et bien entendu, il y a plein de zombies, il y a plein de monstres qui vont venir un petit peu nous mettre des bâtons dans les roues. Et il va falloir se concentrer énormément pour faire des choses sympas, évidemment. Ça commence déjà super bien, ça commence super bien. C'est comme les femmes. Les belles expériences se méritent. Ah ben putain, ouais, l'expérience, ça mérite largement. Alors bien entendu, le début va être terriblement chaud parce que... Parce qu'évidemment, j'ai pas d'armes, j'ai absolument rien. Oh putain, les coups. Oh putain, les couteaux. J'ai rien dit, c'est bon, j'ai absolument... J'ai déjà les couteaux, bon bah c'est bon. Je vais essayer de faire du beau jeu. C'est bon, le jeu va être assez clément avec moi pour le début. Et ça va être... Oh putain, la chance, hein. La chance... Et déjà avec moi. Mais voilà, on commence déjà tranquillement ce premier niveau qui ressemble beaucoup à ce que t'avais notamment dans le Ghosts and Goblins classique, original, que t'as connu en arcade il y a quelques temps de ça. Oh putain, évidemment, il a pas voulu. C'est cheaté, mais non, c'est... Le jeu s'est dit, bon, ok, tu galères dès le début, mais on va quand même te mettre un couteau. Juste, ouais, faut faire gaffe à tout. Je sais qu'en plus il va y avoir la plante carnivore dans 2 secondes qui est bien relou. Après il y avait la... J'aurais pu prendre... Ah comment ça s'appelle les flammes. Vous savez que c'est la pire arme du jeu, de toute la licence. Est-ce que c'est... Putain, est-ce que c'est une armure? Non, c'est un javelot, là c'est le truc. Ok, je suis en train de regarder en même temps. Hein. Ok, normalement je suis un peu tranquille. Mais effectivement, ouais, il y a pas mal d'armes, des armes supplémentaires notamment. Il y a un javelot, l'arc, les flammes. Les dagues, le javelot, je sais pas si on l'a déjà dit, on a le marteau, on a les la glace, on a après, putain, une roue qui est dégueulasse, bref, il y a pas mal de petites choses sympas et on va essayer de toutes les montrer, même si mon arme de prédilection, c'est évidemment les putains de couteaux. Je l'aurais pas, ce connard, je l'aurais pas. Ah non, je dois essayer d'attraper la petite fée, évidemment. Évidemment, c'est horrible. La hache est pourrie. En fait, la hache, le problème, c'est que sur du corps à corps. C'est que devant toi. Donc, en fait, t'es pas dans la merde, quoi. Alors que les couteaux, ça va. L'arc, il est génial. Oh putain. Et mais ouais, le marteau, le prend pas. C'est vraiment une arme de brin. Putain, ils ont essayé de me rendre la flamme. Je veux pas la flamme. Alors, évidemment. Et il y a... Alors, essayer d'avoir l'armure d'or, ça va être chaud. Hein. Je pense pas qu'on va l'avoir dans ce live, même si on sait jamais. Peut-être que oui, peut-être que non. Non, peut-être que non. Très certainement que non. Mais bon. Donc le jeu est magnifique, hein. Littéralement, on nous propose des dingueries. Alors putain, ce truc-là, il est chiant à battre. Je vais peut-être aller par terre. Ok, attends. Je vais faire ça comme ça. Parce que là, directement sur les rochers, c'est la galère. Là c'est bon, voilà c'est bon. On est tranquille. Je vais pouvoir en plus récupérer la petite fée, si je dis pas de bêtises, si elle veut bien s'apparaître. Apparaît. 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 Non, tu veux pas? Non, tu veux pas apparaître? Putain. Alors là c'est mon enfer, hein. Les petites fées. Putain de... Je l'aurais pas. Je l'aurais pas et en plus je me suis fait défoncer. Non, je l'aurais pas. Je l'aurais pas. Je l'aurais pas. Génial. Pourquoi je récupère les petites fées? C'est pour avoir des magies supplémentaires. Des magies qui sont extrêmement importantes pour pouvoir progresser dans le jeu. Et surtout pour faire des dingueries. Mais juste, ouais, là... c'est quand même chaud, ça reste Ghouls and Ghosts. Mais enfin, voilà, on avance bien. On avance plutôt bien. J'espère que ça lag pas, que vous voyez absolument tout maintenant. Mais théoriquement, ça devrait bien le faire. Et je devrais mourir dans quelques instants parce que, bah... si vous avez vu la review, vous savez ce qu'il va avoir dans 2 secondes. Il va avoir notre ami Reda Raymer. Il est là, il est évidemment présent pour me casser les couilles. Et ça va être terrible. Alors Reda Raymer, rappel pour ceux qui n'ont jamais joué à la série, c'est le pire ennemi ever de l'histoire du jeu vidéo, on va pas se mentir. Ce gars-là va te faire chier pendant tout le niveau, il faut que tu le tues impérativement, ou que tu fasses comme moi, que tu essayes de l'enfoncer. Alors, soit de faire ça. Ouais, ça c'est bon. Et voilà. Je me suis fait troller. Je me suis fait évidemment troller par,
par le truc, elle fait en plein milieu et qui est reparti. Génial. Ça, c'est cool. Ça, c'est ça fond dans la bouche. Alors, ça, on tue ça, on fait gaffe. Ça commence bien. Ça commence vraiment bien, mais ça fait rien. Je vais pouvoir vous montrer les arènes infernales. Parce que, effectivement, c'est ce que je disais, t'as des niveaux bonus. T'es obligé de tuer un gars en particulier, puis après, tu peux aller là-dedans. Et évidemment, il se passe pas mal de petites choses sympas. Alors, ça rame un peu, ça, c'est normal. Là, ça va sûrement ramer. Avec absolument tout comme ça. Juste. Putain, évidemment. Faut impérativement que je réussisse. Ah putain. Faut que impérativement que je réussisse le truc parce que passer Riyad Ahrimer, c'est trop chaud. C'est beaucoup trop chaud et il a tendance à bien te casser les couilles en permanence. Ok. On tue ça tranquillement. On avance. Ok, attends. Attention. Oh, ça va, c'est bon. Putain. Ouais, laisse tomber. Ouais, je vais tenter le Riyad Ahrimer à poil comme ça. Mieux vaut tenter le Riyad Ahrimer, même si ça sert à rien. Allez, c'est reparti, première apparition. Je suis pas dans la merde. Hein. Je suis pas dans la merde, en plus je suis à poil. Allez, dégage, allez, dégage, allez, dégage. Allez, la putain de plateforme de merde, tu peux pas venir vers moi. Mais putain, je me suis fait encore avoir. La punition du premier niveau. Non, mais dès le début, tu vas être puni, quoi, le truc. Bonjour, tu vas mourir. Ah ouais, j'allais dire combien de temps de live déjà. Ouais, non, je peux pas savoir parce que le truc l'a un peu lagué. Donc du coup, je pouvais pas savoir. Même la pierre tomba qui tombe dessus dès le début, c'est terrible. Putain! Allez, c'est reparti. On va essayer de... Bah, 17 secondes pour résister, ça va. Théoriquement, ça doit aller. Ça devrait aller. Attention. Attention. Ok. Ok. Non mais tu vois, dès le début, il te balance un niveau comme ça, bien chaud sa maman. Et normalement c'est bon. Oh, c'est bon, normalement c'est une armure. Ok, c'est une armure dedans, j'ai eu de la chatte. Putain, à la dernière seconde, j'ai résisté. Et là, et oui, allez, on recommence. Tu vas pas me troller. Il va me troller, ok, d'accord. Tu vas pas me troller deux fois, c'est bon. Ça c'est bon. Parce que oui, évidemment, on va troller deux fois le machin. Checkpoint, c'est bon. Mais juste, ouais, le jeu... Je pense que t'as compris tout de suite dans quel genre de jeu que tu es, là. Un jeu où tu vas douiller sous sa mère pendant quelques instants. Et surtout que ça va te troller, mais te troller en permanence, quoi. Alors vas-y, essaye de passer. Essaye de passer ça avec que des... Putain, trucs qui volent. Avec des patterns chiants, allez. Faut que je passe en tout. Faut que je passe. Ok, je passe. Je passe. Je passe, je passe pas du tout, je passe pas du tout, je passe pas du tout, je passe pas, putain, je passe pas du tout. Est-ce que je peux passer, s'il te plaît? Voilà, je peux passer. Voilà, je peux passer. Allez, maintenant les knackis. Les petits knackis qui vont être chiants, fais gaffe à tout, je veux pas perdre mon armure. Totalement imprévisible, mais le truc ne veut pas... Là, par contre, c'est full random. Quand je te dis full random, c'est... Il n'y a pas de pattern, il n'y a pas... ça va apparaître là ou là, c'est juste... Oh putain, oh putain. Des tubs, ouais, non, non, un peu, oui, ou des nems, si tu veux, mais... Moi, c'est des knackis, c'est des knackis, ouais, ou des nems. Des nems, ça me paraît plus logique. Alors, attention, les chevaliers en armure, je sais qu'il va avoir une petite fée qui va te troller parce qu'il faut sauter au bon moment. Alors, il faut aussi regarder le jeu, Val, ça serait bien. C'est relou, hein, c'est relou, allez, on recommence. Allez, retour à la bannière. Tu vois, quand je te disais le jeu, ça va, la difficulté, on est en chevalier, ça fait quoi? Ça fait 10 minutes qu'on est sur le niveau et on arrive, quoi. C'est pas non plus... c'est pas non plus dur, quoi. Alors, c'est pas non plus dur, mais c'est pas non plus facile. Alors, là, voilà, la fameuse petite fée, faut la prendre comme ça, voilà. Et après, on avance. Là, on avance, mais je sais qu'il va voir les plantes. Il va voir les plantes piranha. Putain! Allez, avance bien. Avance bien vers toi. Ok. Oh putain, pile au mauvais endroit. Ah non, je sais que je peux attendre. Attends, je vais attendre. Je vais attendre. Parce que il y a le javelot juste là. J'ai pas envie d'avoir le javelot. Je suis avec mes couteaux. Et les couteaux pour le boss après, ça va être génial. Juste. Allez, disparaît. 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 Merci, il a disparu. Mais là, après, je sais qu'il y a une plante.
carnivore, évidemment, qui va venir. Donc là, faut attendre. Faut attendre. Faut attendre. Faut attaquer aussi, un petit peu. Mais qu'est-ce que tu fous en arrière? Putain, ça... Alors, je rappelle que je joue au stick. Le mieux, c'est de jouer avec la croix directionnelle, mais juste... Je sais qu'il y a une plante carnivore là dans 2 secondes, ok. Mais juste, ouais, le stick, quand tu dois faire des demi-tours, c'est vraiment l'angoisse. Ok, à l'avance. Ok. Alors, tu réfléchis en même temps à tes propos, c'est chaud, hein. C'est vachement chaud. Faut l'avoir, le truc. Mais ouais, jouer au stick, c'est un peu la galère. Et de temps en temps, je te recommande quand même d'y jouer avec la croix, on va pas se mentir. Si tu joues sur la Switch, bah t'as pas le choix, mais... Ah si, non, si t'as le choix, je suis con, tu peux jouer aussi avec le stick. J'ai oublié que cette manette-là... J'ai oublié qu'elle avait un stick au Joy-Con, merde. Non. Faut juste se concentrer, juste passer, ok. Ok, ça c'est bon, je sais qu'il va voir. Non! Et non, j'ai pris les flammes de merde, et c'est con, et évidemment... Évidemment, il y a plein de trucs qui va m'arriver à la gueule. Bien entendu, parce que c'est trop marrant, putain. Alors là, je sais qu'il va avoir une petite fée. Non, je l'ai loupé. J'ai loupé la petite fée. Salut à toi, Katana Max, comment ça va? T'es là demain ou pas? Pour savoir un petit peu. Parce que demain, j'y suis, hein. J'y suis, évidemment. J'étais invité, évidemment. J'ai été invité. Oui, bon bah voilà. On se reverra demain, on pourra parler évidemment de ce fabuleux jeu qui est évidemment très compliqué. Je vais crever parce que j'ai pas la bonne arme du tout. Les flammes de l'enfer, non mais les flammes de l'enfer, c'est horrible. Cette arme là, il y a des machins, ça va, mais il y a des passages comme là où je vais en chier parce qu'il y a ces trucs là qui apparaissent dans tous les sens, qui te donnent aucun répit. Ah putain, merci, le javelot c'est cool. C'est peut-être pas l'arme la plus pratique, mais au moins ce sera au moins ça. Est-ce que je peux avoir au moins une armure? Oh putain, merci. Putain de... C'est bon, c'est bon, c'est passe. Ok, attention. Ok. Concentration. Petite fée. Ok, j'ai la petite fée. Pas facile a priori, oh non, sans blague. Le jeu il est pas facile du tout. Mais il est très très bien, vraiment très très bien. Après, esthétiquement, là, vous le voyez, le jeu, bah, il est trop beau, quoi. Il est magnifique. S'il veut bien passer, aussi. Vraiment magnifique. Là, on va arriver au boss, en plus, dans quelques instants. Juste... je sais où j'ai perdu... J'ai pas eu ma petite fée, par contre. Ok. Je me concentre en même temps. Vous savez que si je parle pas, c'est que je me concentre. Mais ouais, franchement, le jeu est très, très beau. Et te propose, ouais, des sacrés dingueries. Alors, pas d'armes, c'est pas ça qu'il me faut. Ok, on arrive au boss. Dans quelques secondes, on y est. On est au boss. Je voudrais bien les couteaux, hein. En vrai, les couteaux, ça pourrait m'aider largement. Il y a quoi là-dedans? Je vous assure que c'est random. Je vous assure que c'est random. C'est pas moi qui ai choisi. Putain, les couteaux, trop bien. Alors, évidemment, le cyclope. Eh merde, j'étais bien sous ses jambes, hein. Alors par contre il faut faire ça. Par contre le stick comme ça c'est génial. Parce que tu peux sauter en même temps et te décaler. Mais juste au secours. Alors, attention. Ok, il faut toucher son œil, faut attendre un peu. Là il va essayer de me toucher comme ça. Aïe. Attention. Ouais, attention. Saute. Et putain évidemment parce qu'il fallait pas faire ça. Crève. Putain, il y avait sa main juste devant moi. C'est bon, c'est passé. Premier boss battu, first try. Simple. C'était simple. Les gravés me font à Odin Sphere. Ouais, c'est ce que tu me disais, justement, dans le... Tu me disais, justement, dans le commentaire sur YouTube. Mais ouais, effectivement, le jeu... Je te dis, c'est un peu un... comment dire, les livres pop-up, c'est ce que j'expliquais dans la review, tu vois, c'est que t'as un arrière-fond, puis t'as des personnages en premier, et de plan, et tu vois, je trouve ça sympa, tu vois. Merci beaucoup pour les GG, et franchement, first try, hein. Ça va, en 20 minutes à peine de live, on a déjà fait le premier niveau.
Je réfléchis. Mais oui, effectivement, bah, Football Champ, exceptionnel, évidemment, sur YouTube, par contre, on a fait ça. Il y a un moment, maintenant. Donc, je vais débloquer, maintenant. Effectivement, c'est ce que j'ai pu vous expliquer aussi. Les petites fées servent, évidemment, à te faire des nouveaux sorts. Donc, je vais prendre l'orage sacré. Je vais garder mes petites fées pour... parce qu'il m'en faut maintenant 7, si je dis pas de bêtises. Donc, ça va être assez chaud. Mais il me faut le doppelganger. Il me faut impérativement le boulet rock. Il veut pas... Ah non, c'est ça. Il me faut le transforma rock qui me... Ça servira pas à grand chose en ce live, mais il me le faut impérativement. J'ai pas le choix parce que pour débloquer ça, je suis obligé de passer par là, puis après de passer par là, donc c'est un peu la galère. Et je réfléchis parce qu'il me faut des fées. Il me faut impérativement des fées pour le début du jeu. J'hésite beaucoup parce que je sais que ce niveau-là, je pourrais le faire tranquille. Mais ça va me donner que 4 fées, donc ça va être un peu terrible. On va peut-être faire avancer. Je vais peut-être faire le niveau des moulins parce que ça me donne quand même 10 fées. C'est automatique, comment ça va? J'espère que ça va bien. Donc on joue tranquillement à ce petit Ghost and Goblins Resurrection. Et je réfléchis évidemment à mon jeu. Je réfléchis à fond. Mais ça devrait bien le faire. Ça devrait largement bien le faire. Ok. On est parti. Évidemment, on est totalement dans du Ghouls and Ghosts, avec les moulins, avec les petits trucs qui te sautent dessus. Donc là, vous reconnaissez, je pense, bah, aisément tout. Hein. Je veux dire, si t'as joué à l'épisode Mega Drive ou même arcade tout de suite, bah là, oui, on est totalement dedans. Ok, ça tue. Je sais qu'il va avoir une fée. Putain, évidemment que non. Évidemment, faut attendre. Ah putain, allez! Pousse-le! Non, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Évidemment, ça va se passer comme ça. Putain, il me faut des fées. Avance plus vite. Merci. Ah, je sais pas du tout si ça devrait. Ça va bien se. Je sais pas du tout si ça va bien se passer. Ah non, bah, ça peut être trop tard. Parce que je sais. Génial, je viens de découvrir que ça fait, on peut faire ça. En fait, je sais pas du tout s'il y avait une fée ou s'il y avait un coffre avant. Bon, tant pis, on s'en fout. Il me faut au moins 4 petites fées pour avoir le doppelganger, donc pas le choix, on va essayer d'avancer. Alors, je te capte en live, ouais, effectivement. Bah, surtout que là, on est sur un très bon jeu. Même si ça rame un peu, je suis conscient. Hein. Je suis conscient que ça doit ramer un tout petit peu, mais là, pas vraiment le choix. Parce que le PC n'aime pas trop... à la fois de faire un stream et à la fois de jouer à ce jeu-là. Merci, c'est génial. C'est le moment de changer de PC. Et merde. Mais ça va aller, ça devrait aller. Encore une fois, le jeu, je le maîtrise. Je sais ce qu'on doit faire et on fait absolument toute la première loop. Donc ça va être rigolo, on va dire. Ok, on avance. On avance, on fait gaffe. On fait gaffe à tout. Alors là, il faut sauter. Donc la petite fée, je l'ai récupérée, donc ça va. Ça, c'est bien, hein, que les petites fées, elles sont sauvegardées une fois que tu les as eues, et t'as pas besoin de refaire le passage 50 fois. Ça, c'est cool. Non, javelot, ça me sert à rien. Allez, avance, putain! Allez, recommence tout. Oh, le moulin, fallait que je le tape dessus, je l'ai pas tapé dessus. Et c'est vrai que j'ai une magie. C'est vrai que... Bah, là, ça sert à rien de la montrer, la magie, parce que, bah... Ça sert à rien, mais je vais essayer de vous la montrer après. Bah ouais, je pourrais là vous la montrer après parce qu'il va être là, il va voir les piafs, enfin les trucs qui sont là à côté là. On va dire les libellules, ça me semble être une libellule. Allez hop, on continue. C'est terrible hein, le jeu. Encore une fois, il est pas gentil le jeu, il est pas très très gentil, mais on essaye de faire du beau jeu quand même. Surtout qu'on connaît le truc, on sait ce qu'on doit faire. On sait à peu près où il faut sauter et où il faut avancer. Donc là, c'est assez bon. Et avance. Voilà. Voilà. C'est bon. Donc là, je vais pouvoir préparer un peu mon éclair. Ah oui, putain, c'est vrai que c'est aussi lent que ça. Alors, excusez-moi, mais je suis en train de me rendre compte que... Ah ouais, sans l'accélérateur, c'est vraiment très lent. Donc là, on va pouvoir avancer tranquillement. Alors, tranquillement, si je me fais pas toucher, évidemment. Une torture, ce jeu. Franchement, ouais, le jeu, il est...
les vilains. Il est vachement vilain et il a tendance à te cracher dessus en permanence. Mais encore une fois, on est là pour montrer du beau jeu. Putain, tu fais chier, quoi. Pile au dernier moment, il va se sortir. Ouais, non, je vois les clips et je me dis, mais merde, vas-y. Jeu de merde, quoi. Allez, on avance. On avance, pas de problème. Encore une fois, la difficulté, elle est pas haute. Hein. Clairement, si tu vois le truc, pas de soucis. Hein. Ouais, je pense à l'épisode Mega Drive, je l'ai trouvé largement plus dur que ça, en vrai. Là, maintenant, ça va. Voilà, merci l'éclair qui m'a sauvé. Maintenant, ça je l'avais vu, ça je l'avais vu, ça je l'avais vu. Non, c'est bon. Ça, je m'en souvenais de lui. Faut que je charge mon coup. Faut que je charge mon coup. Merde. Merde. Oh non, c'est pas merde du tout. Ok. Tant pis pour la petite fée, mais au moins j'ai évité le Red Aramer. Et maintenant, on va essayer de survivre le plus longtemps possible. Même si c'est pas possible parce que j'ai Red Aramer à mon cul. Allez hop. Parce que là, il va voir les petits renards et les petits renards. Oh là, je suis mort par Red Aramer. Mais les petits renards, ils sont tellement chauds. Et je vais vous montrer le passage. Le passage où ils vont dans tous les sens. Tu fais putain, vas-y, je fais comment pour passer? Pas encore testé celui-ci. Celle-ci, elle est vraiment très très bien. Alors, 30 euros en démat, ça fait cher, je trouve. Et je comprends pas pourquoi le jeu n'est pas sorti en. Pourquoi le jeu n'est pas sorti en physique? J'ai de la chance. C'est terrible. Mais après, ça vaut, hein, ça les vaut largement. Mais après, oh putain, 30 euros quoi. Après, je crois qu'il est en solde en ce moment. Donc, une petite quinzaine d'euros, ça va largement. Sur Switch, on me l'a montré ce matin. Ok, 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 là on passe. Je réfléchis, hein, je réfléchis en même temps à ce que je dois faire et où je dois bouger. Parce que bon, encore une fois, le passage n'est pas facile du tout. Ok, ok. Ok, clair. J'ai les éclairs. Éclair. Éclair. Avance. Avance. Allez, je vous dis, ouais, le passage il est super dur. Je le fais du premier coup. Alors, du premier coup. Entre deux grosses guillemets, mais j'arrive à le faire tranquillement. Ça me va. Ça me va largement. Allez, les moulins. Le moulin, faut passer. Faut faire attention à tout ce qui se passe. Faut regarder bien où il y a les petites araignées. Et... évidemment, comment s'appelle les chauves-souris. Je suis en train de réfléchir à mes propos en même temps. Mais ça va largement. Ok. Voilà, ça va. Là, c'est la gamme. Ça va ramer, hein. Ça va ramer avec les moulins dans tous les sens. Je vois que le jeu, ouais. Je chouine un peu, mais ça fait rien. Attends. Ok, ça, je l'avais vu. Je réfléchis. J'essaye de trouver aussi des petites fées. Même si. C'est chaud, évidemment, je suis tombé dessus en plein dedans. Ça fait rien. Ça fait rien parce que j'ai ma bannière pas loin. Juste au secours. Donc, 6 fées, j'avais dit qu'il me fallait combien? Il me fallait, ouais, il fallait 7 petites fées pour avoir le doppelganger. Donc, ça me va grandement. Parce que là, on va arriver au Cerbère. Et le Cerbère sans le doppelganger, ça va être terrible. Ah, bah, je sais où je peux avoir une fée, je suis con. Il y en a une là, pas loin. Évidemment. Il y en a une. Là, si je dis pas de bêtises, dans mes souvenirs, il y en a une là. Allez, mes souvenirs sont bons. Mes souvenirs sont bons. Non, c'était un coffre. Et merde. Tout ça pour un marteau de pacotille, évidemment, on va pas le prendre. Ok, ok. Chauve-souris. Non, putain, j'ai le marteau. Ah, tu vas comprendre le marteau maintenant, pourquoi je le prends pas? Parce que ça sert à rien et parce qu'il faut être au corps à corps. Et vu qu'il faut toujours être au corps à corps et que les trucs sont en train de voler dans tous les sens, eh ben on n'est pas dans la merde. On n'est clairement pas dans la merde. Allez, 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 petite. Ah, la petite fée. Petite fée, petit, petit. Voilà, les fées en tout cas, t'es sauvé. Oh putain, ouais, ça va être chaud patate. Hein. Ça va être chaud patate avec le marteau. Alors ça fait mal, hein. Ça fait très très mal le marteau, ça les déglingue en un coup. Mais juste. Putain, dans ce passage-là, ça va être horrible, en fait. Ça va être horrible. Putain de chauve-souris que j'avais... Je l'avais pas vu. Il faut toutes les petites fées. Petite fée, viens ici. Ok, 8. C'est bon. Encore une fois, s'il y a une fée, je saute dessus. Tant pis si je recommence le passage. Mais c'est tellement important et tellement précieux.
Que du coup, on est mort. Je l'ai vu par contre, je l'ai 100% vu le truc en dessous. C'est terrible. C'est terrible. C'est chaud, hein. C'est vachement chaud. Surtout que j'ai pas mes items pour changer d'arme et tout. Parce qu'on peut avoir un changement d'arme. Hein. Avoir plusieurs armes différentes, c'est peut-être le truc que je vais essayer de prendre le plus rapidement possible. Pour switcher entre les couteaux et l'arc. Mais pour l'instant... pour l'instant, on a la hache. Est-ce que je vous l'ai dit que la hache était une arme de merde? Parce que là, je peux rien faire. Je dois être tout le temps au corps à corps et c'est pas le bon deal. C'est vraiment pas le bon deal dans un niveau comme ça. Voilà, maintenant tu comprends pourquoi. Parce que tu essaies de les toucher et laisse tomber, quoi. Alors, attends. Ok. Une arme. Que dalle. Que dalle, mais il va avoir le checkpoint. C'est déjà, ouais, je me souviens, putain, c'est déjà arrivé que j'étais... Je suis mort ici. La chauve-souris qui m'a fait tomber dans le vide et j'ai dû tout recommencer. Alors, checkpoint. Donc là, ça va, ok. Mais va voir le Cerber, si je dis pas de bêtises. Voilà, je l'ai vu, il est bien là, effectivement. Bonjour. Bonjour. Putain, connard, va. Il va voir le Cerber, bien dans ma gueule. Bien sûr. Bien sûr qu'il va... Là, tu vois, non, c'est clairement pas l'arme qu'il faut. Et là, juste après, ouais, non, laisse tomber... Oh, il est bien là. Mais putain, ce connard, va, le truc qui m'est arrivé en plein dans la gueule. Ah ouais, effectivement. Non, 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 tu vas pas faire tes flammes sur moi. Non, pas maintenant. Si, bah si, tu vas faire tes flammes. Casse-toi. Casse-toi. Mais casse-toi, putain, je peux... Putain, oh putain. J'ai pas la bonne arme. Je rappelle la... Putain, mais la... Mais non, mais le... Oh, il y a une fée, mais putain, pourquoi on bloque ? Elle était pas là avant. De toute façon, va falloir que j'aille chercher le doppelganger juste après. De toute façon, donc j'ai pas le choix, mais juste... Putain. Oh, attends, on va pas y passer. Oh, regarde. Ça, c'est... Normalement, tu devais pas faire ça, mais... Chut. Un peu de calme, ouais, un peu de calme. Un peu de calme, oui, bien sûr. Je vais crever dans 2 secondes. Alors, attends. Oh, putain, c'est pas la bonne arme. C'est pas la bonne arme, mais on y va. Gros rush. Ouais, gros rush, surtout que j'ai pas c'est pas le bon truc. Voilà, je suis mort. Ça fait rien, je vais retourner à la carte. Alors, retour à la carte. Mais j'ai sauvegardé la bannière, donc je vais pouvoir aller chercher l'arme que je veux. Donc j'ai dit le doppelganger. Donc hop. Ça, c'est vrai que j'ai pas expliqué dans la review, mais on peut le faire. Heureusement qu'il y a l'invincibilité après t'être douché. Bah, encore heureux. Putain, il y aurait pas l'invincibilité, mais je pleure, mon gars. Je pleure. Hop, je récupère mon doppelganger, puis après, orage sacré. Ouais, ah ouais, il y aura résurrection, ça c'est très important pour pouvoir bien avancer dans le jeu. Puis après, j'irai chercher Arsenal. Donc on est reparti pour le Cerber de la porte, évidemment. C'est chaud, hein. C'est chaud, il me faut impérativement mon... il me faut impérativement mon... Mes couteaux, s'il te plaît, mes couteaux. Alors, go chercher les couteaux. Tenter le Cerber sans les couteaux. Couteau, c'est bon. Il va me sauter dessus. Ok, j'ai une chance. J'ai une chance de pouvoir l'avoir. Crève. Il n'y en a pas un qui est mort. Il y en a peut-être un qui est mort. Il y en a un qui est mort. C'est bon. Doppelganger. Alors attendez, concentration d'un homme. Ah putain, pas ok. Mais c'est bon, théoriquement c'est bon, j'ai juste à faire gaffe à comment on saute, comment il arrive vers moi, c'est bon. Parce qu'en fait, je pense que vous l'avez peut-être remarqué, mais le boss a effectivement des patterns assez précis. Où chaque monstre fait une action bien précise. Alors toi t'es mort, voilà, toi t'es mort tout de suite, ça c'est cool. Prochain, ok, lui on fait gaffe. Donc lui, il va me sauter dessus, l'orange. Voilà, il va me sauter dessus. Putain, j'ai fait gaffe d'abord à ses... D'abord aux flammes. C'est pas ce qu'il fallait faire. Il va me sauter dessus, toi t'es mort. Ok, il va aller au centre. Il va maintenant devenir énorme. Donc maintenant, j'ai peut-être utilisé mon doppelganger, mais un chouïa trop tôt. Ok, il va me sauter dessus, je m'en doutais. Ok. C'est chaud, ouais, bah, c'est le cas de le dire, hein, vu les flammes qu'il y a partout. Alors là, non, attends, je sais comment on va faire.
Parce que là, on est tranquille. Doppelganger, parce qu'il va se démultiplier. Là, il va grogner. Voilà, grogne. Ok, là, il va faire ça. Putain ! Chaque fois, il me saute dessus, mais pile ! Pile au mauvais endroit. Toi, t'es mort. Toi, t'es mort. Toi, t'es mort, c'est bon. Doppelganger, j'ai très peu de chance. Là, par contre, de le faire... Mais on sait jamais. Ah non, là, c'est bon, j'ai rien dit. J'ai rien dit parce que là, il pourra pas m'avoir. À moins qu'il fasse... Voilà, comme ça. Ok, ça, c'est bon. Aussi chiant que le tigre dans Secret of Mana. Ça fait longtemps, je te rappelle, Secret of Mana... J'ai pas été en plus à la fin. Il va me sauter dessus. Putain. C'est chaud. À chaque fois, évidemment. Recommencer. Tu vois, là, c'est du die retry 100% en fait. T'as juste à savoir un petit peu comment ça fonctionne et ça va. Mais je dois être calme. Je dois être calme, on m'a dit d'être calme. En plus, c'est vrai que ça sert à rien de s'énerver là-dessus. Surtout sur un passage comme ça avec un boss qui est en plus pas très dur. Vraiment, il est pas très très dur. Je vous montre du mauvais gameplay, hein, clairement. Putain, merde. Un peu con. Ok, 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 mal fait. Ok, un en moins. Un en moins. Un en moins, mais je sais qu'il y a le celui-là qui va mourir. Ok, meurt. Ok, là, ça, c'est bon. Ok, ça, c'est bon. Allez, hop. Vas-y, fais ça. Il me reste en plus une moitié d'armure. Donc, c'est bon. Ça devrait bien le faire. Je pense pas, mais bon, on sait jamais. Allez, crève, 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 crève. Je vais me sauter dessus. Ok. Doppelganger, il me faut mon doppelganger, il me faut mon doppelganger, doppelganger, dépêche-toi à sortir. Gagné, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est passé. Putain. Tu vois que le jeu, je le maîtrise. Je connais comment ça fonctionne, je sais comment il faut faire les choses, mais juste... Oh. Doppelganger. Tu regardes comment il marche, tu fais gaffe au tigre, tu prends celui qui te saute d'abord dessus dans tous les sens, puis après, tu vas taper celui qui te balance les flammes, puis après, le dernier, celui qui fait comme ça, il n'y a aucun souci. Juste du doigté, de la réflexion et de l'observation. Toi, ouais, du calme et ça passe. On est déjà au niveau 3, mais on va refaire les autres niveaux, il n'y a pas de souci. On va peut-être... je vais regarder rapidement. Ouais, rapidement, on va faire le premier niveau. Parce qu'on fait là toute la première loop, je pourrais en fait aller tout de suite au dernier niveau, le terminer. On fait durer le suspense, on fait durer un petit peu le jeu évidemment. C'est parti pour les autres niveaux. Surtout que j'ai envie de vous montrer tout ce que j'ai pas pu vous présenter un petit peu dans la review. Donc là effectivement on va aller dans le premier niveau de Ghouls and Ghosts. Donc on va revoir évidemment nos copains, comment ça s'appelle, les faucheuses. Donc ça va être terrible. Allez c'est parti. Donc là, là normalement, tu devrais reconnaître évidemment tout. Les petites faucheuses, avec évidemment ces connasses de chauves-souris de vautour. Ok, ok. Merde. Pas ce qu'il fallait faire, ça fait rien. Donc là, normalement, c'est. Généralement, c'est toujours soit une armure, soit une arme. On l'a pas besoin. Là ouais faut juste du doigté, de la concentration, regarder où ça va. Ça passe nickel. Allez, armure, pas armure. Je sais qu'il va avoir une plante en dessous dans 2 secondes. Non c'est bon. C'est bon, le checkpoint il est pas loin, faut juste te faire gaffe maintenant. Putain mourrez tous, mourrez, mourrez. Oh putain je voulais Je voulais prendre la petite fée, c'était pas la peine. Et je suis tombé sur une arme et paf, allez, ça m'a changé mon couteau. Allez, c'est reparti. Donc là, voilà, le bouclier qui roule, mais qui est tellement chiant. Pas forcément efficace, mais on va essayer de faire du... Faut essayer de rien faire avec. Dans 2 secondes, je vais le perdre. Alors, attends, je sais qu'il y a là. Je vais être en plein milieu. Voilà, merci. Je vais prendre les flammes. Vraiment, pour une fois. Parce que les flammes sont assez utiles là-dessus. Contre eux, ça va. Parce que c'est des...
ils font pas des trucs bizarres comme certains trucs, comme les zombies juste avant et tout. Là, ça va aller largement. Surtout que ça va peut-être m'aider à tuer au moins les plantes facilement. Genre, comme ceci. Voilà. Putain de... plante de brin. Mais putain, j'ai même pas eu la fée en plus. J'ai rien dit. J'ai rien dit du tout. Faut faire gaffe. Faut faire gaffe à absolument tout. Allez, c'est reparti. Encore une fois, c'est normal. Ouais, ça va aller tranquille. Ça va... on va le faire en 2-2. N'importe quoi. N'importe quoi. Prochaine fois, Val, hein. Arrête de dire des conneries. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Voilà. Non. Encore une fois, je préfère largement les flammes que cette... que ce truc-là, il est un peu relou. Non, on va passer par le bas alors. Hein. Y'a pas de choix. Vous voulez qu'on passe par le bas? Bon, c'est plus pratique par le bas parce que je pourrais mieux appréhender les plantes. Genre là, c'est bon. Oh là là, le javelot. Ok. Non, là, ça va. Là, ça va. Je vais essayer de faire apparaître la petite fée, mais je pense pas que ça va faire. C'est bon. Allez, fonce, c'est bon. J'ai pris la petite fée en plus. Merde, ça fait rien. Je suis à la bannière. Je suis à la bannière, je vais arriver à un passage un peu... Non, pas chaud, mais il faut juste que je me concentre. Genre ça. Merde, évidemment, je l'ai pas touché du tout. Pas de panique. Pas de panique. C'est pas parce qu'il y a des flammes que c'est chaud. Ça l'est très très énormément même. Les coffres. Bon, on va faire ça. Ok. Donc là, pas de soucis. Je vais utiliser mes éclairs. Voilà. Au moins, je vais être tranquille. Faut faire gaffe. Parce que ces trucs-là, ouais, ils te tombent à la gueule. Et évidemment, ils te touchent. Tu recules, bien entendu. Mais ça va. Ça va largement. Passage-là, je sais à peu près comment on le fait. Je sais qu'il va voir. Voilà, il va voir. Toutes les faucheuses. Pouf! Maintenant vous comprenez pourquoi j'insiste beaucoup à aller chercher les petites fées pour avoir justement la magie comme ça qui me permet de aisément progresser. Ok, là je l'ai vu en dessous. Ouais. Je sais qu'il y a une... Ah non, c'est pas là, c'est dans la deuxième loop qu'il y a un coffre juste au-dessus. Mais enfin, j'ai fait une connerie, ça fait rien du tout. On va pouvoir quand même progresser. Là on progresse bien, pas de problème. Alors c'est un poil de cul, hein, clairement, merci, j'ai trop avancé. Mais juste, ça va, c'est pas non plus la misère, on va dire. Ok, donc là, il va y avoir toutes les faucheuses. Ok, pas de problème, pas de problème. C'est maîtrisé, la petite fée. J'ai regardé la fée, j'ai pas regardé la plateforme, putain, quel con. Allez, on avance. On avance. Putain, c'est chaud. C'est vachement chaud. Le mode paladin doit être abominable. Il n'y a pas de... Tu vois les checkpoints, là? J'en ai entre les deux niveaux. Là, non, non. Là, t'as pas de passage comme ça. Hein. T'es obligé de recommencer depuis tout le début. Je dis bien tout le début. Allô? T'as vu le début, comment il est? C'est horrible. Ok, là, ça passe. Petite fille, ça va. Elle m'a suivi. Je suis mort, j'étais 100% dans la guillotine. Toi tu meurs, toi tu meurs, tu me sautes pas dessus, merci. Non, j'ai vu, fallait pas y aller. Fallait pas du tout y aller, ça fait rien. Caltané, oh non, c'est... En fait, c'est ce que je disais, c'est vomitif en fait. C'est que t'essayes d'avancer, le jeu, non, il voudra pas du tout quoi. Ce qui est terrible en fait, ce qui est terrible. Ok. Ok. Ok, on est bon. On est bon, on fait gaffe à tout. Alors, il va voir le machin. Parce que là, je vais te dire l'endroit exact où tu vas... En règle générale, tu reprends. Parce que là, en gros, si tu meurs, tu recommences depuis le début. Hein. Je veux dire tout le début, donc avec les déjà les faucheuses qui t'attendent au début, plus les guillotines, plus tout le passage bien relou. Alors que là, effectivement, la zone que tu aurais en mode paladin, elle est là. Elle est là. Donc, t'as vu tout ce qu'on a fait juste avant? Ouais, c'était chaud. Ouais, c'était dur. Bah, voilà.
Tu comprends pourquoi je te dis c'est l'enfer? Et pourquoi je te dis ouais non, chevalier, c'est un très bon mode pour y jouer en live. Et aussi pour bien découvrir le jeu. Alors évidemment, je déteste ces passages-là dans Ghouls and Ghosts, c'est vraiment le vent. Le vent est vraiment vénère et tu peux rien faire du tout. Donc le jeu a tendance à bien te les mettre dans des angles impossibles à éviter. Ok, ça c'est pas mal. Alors on fait ça. Ok, on va peut-être avancer. On va peut-être pas faire ça. Paladin ou One Life, bah il y a des gens qui le font sur YouTube. Hein. J'ai envie de te dire, c'est des fous. Alors après, tu sais, je connais le jeu maintenant. Je sais qu'il y en a qui ont un peu truandé leur One Life. Hein, et je me dis... Non, non, tu le fais pas en One Life, mon gars. T'es en train de tricher un peu et d'utiliser un autre mode, là. Ou une armure cheatée. Par exemple, l'armure arcane que moi j'ai à la fin du jeu, qui te permet d'éviter absolument tous les coups, bah ouais, effectivement, là, t'es tranquille. Mais là, ouais, non, il y a des gars... On l'a bien compris que ça faisait plusieurs clips et tout, mais bon. Qui suis-je pour juger les gens? Moi qui joue, qui essaye de faire le jeu comme il faut, en legit. Putain, là, je déteste aussi les tentacules dans ce jeu-là. Ils sont vraiment vénères et te met dans des positions mais bien bien chaudes. Et ça, j'ai pas la bonne arme. J'ai clairement pas la bonne arme pour ce gars-là, pour tout ce passage-là. Ok, là, il va être dans la cage avec moi. Évidemment, il va être dans la cage avec moi. La armure. Je sais qu'il y a une armure là, c'est 100% une armure. Si c'est pas une armure, je pleure. C'est... Allez, s'il te plaît, au moins les... Ou les dagues. Une armure, c'est bon. T'as vu, le jeu, je le connais quand même un peu. Je dis pas de conneries. Je dis beaucoup de conneries en règle générale, mais là, ça va. Là, ça, c'est bon. Allez, dépêche-toi, dépêche-toi. Il y a la fée, il y a la petite fée, je veux la petite fée. Je suis tombé tout en bas. Je suis tombé tout en bas, la dague, que dalle, quoi. Ça fait chier, le truc, faut tout recommencer. Et évidemment, ça réapparaît, hein, évidemment. Quelle logique, évidemment, quelle question, ça réapparaît, bien sûr. Et bien entendu, c'est toujours aussi chiant à battre. Regarde, le truc bien long, bien chiant, bien relou sa mère. Ça, c'est bon, c'est passé. Allez. Alors ça, je peux te tuer, toi, là-bas. Oh, putain, mais t'es pas une tentacule avec moi. S'il te plaît, c'est risqué d'être dans la cage avec le truc, mais... J'ai de la chance, le truc n'est pas retourné. Vas-y, le truc se retourne, et allez, allez, on te met une tentacule avec, parce que... Tu l'as pas assez dans le cul. La souffrance, elle est à pure... Ouais, non, le jeu... Le jeu, il te crache à la gueule en permanence. Du coup, c'est l'enfer. Donc là, il va avoir un cochon. Allez, viens, mon cochon. Allez, viens, mon cochon! Tu peux pas taper dans la cage. Je sais que dans la cage, je suis tranquille. Donc du coup, on va essayer d'être... Fils de pute, j'ai pas regardé. Il fait jamais ça. Putain, j'avais pas vu. Allez, allez! On recommence! Putain, j'avais pas vu. Allez! Allez! On recommence! C'était pas assez fun. Allez! J'ai déjà plus d'armure! Et on recommence! Et ça continue! Allez, meurs, ça c'est bon. Là c'est une armure. S'il te plaît, c'est une armure. Dis-moi que c'est une armure. J'ai vu qu'on m'envoie un message. Qui c'est qui m'envoie un message? Ok, c'est de la merde. Ok, ça c'est bon. Je vais pouvoir prendre la petite fée. La petite fée. La petite fée. La petite fée. Je prends la fée. Allez, reste bien en plein dedans. Alors, putain, mon gars, tu ne me fonces pas dessus. Tu ne me sautes pas dessus comme tout à l'heure. Please. Oh, please. Ah, putain, mais s'il te plaît, les couteaux. Filez-moi les couteaux. Les couteaux, putain, s'il te plaît. Sans ça, c'est la merde. Sans ça, c'est tellement la baisse, quoi, mais... C'est terrible. Après, j'ai les éclairs, je suis con. Utilise tes éclairs, Val. T'as les éclairs qui auront servi à rien, quoi. Allez, 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 les tentacules dans tous les sens. Allez, le boss méga relou. Après, hé, je suis con en plus. Mais j'ai doppelganger depuis tout à l'heure en fait. J'ai oublié que j'avais le doppelganger. Attendez, je suis juste con. Les éclairs, mon dieu. Le doppelganger, mon dieu, mais pourquoi je l'utilise pas?
Attends, je suis juste con. Ah, merci, il n'y a même pas. Même ça, quoi. Allez, je suis une petite grenouille. Je suis juste une petite grenouille tranquille qui bypass absolument tout, je suis mort. Mais non, je suis con, j'ai le doppelganger. Pourquoi je l'utilise pas? Attends. Juste à faire ça. Juste à faire ça, pouf, et c'est bon, en fait. Alors, attends. Ok, maintenant on y va. Ok, maintenant on fait ça, on essaye d'avancer. Allez, les tentacules, ça dégage. Les tentacules, ça dégage. Non, les tentacules, ça dégage toujours pas. Mais regardez-moi ça, le truc qui repop en plus. Ils a pop dans tous les sens. Non, 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 tu touches pas mon cul. Tu touches pas mon petit cul, c'est bon. Mais bon, le pouvoir, c'est bon. Après, c'est parce que t'es... C'est parce qu'on est habitué à pas les utiliser, donc forcément... Forcément, on est un peu con. Ah, putain, bah oui, je vais prendre les flammes. Bah oui, bien sûr. Allez, on avance tranquillement. Le cochon, il dégage, sans problème. Ok. Doppelganger. Pas doppelganger. Doppelganger juste après. Non, parce qu'il te bête les tentacules juste à côté. Vas-y, meurs. Ça, c'est bon. Ok, un en moins. Je sais qu'il va en avoir un deuxième dans 2 secondes. Je me concentre, hein. Je me concentre à 2000%. Parce que je sais que là, il y en a un en dessous. Il va me foncer dessus. Il y en a un autre qui m'attend de l'autre côté. Et qui va évidemment essayer de me toucher. Ce qu'on va faire, c'est doppelganger. On arrive. Checkpoint. C'est bon. Oh, putain, merci. C'est bon. On a passé le plus... pour moi, le plus chiant. Allez. Petite cinématique rigolote, évidemment les cochons vont essayer de me tuer, sauf que bah, tout est mort. Hein. Et là maintenant on peut sauter. Ok là c'est bon. Ils vont me tomber dessus. Voilà les cochons me tombent dessus. Si j'aurais pensé de dire un jour cette phrase dans ma vie, c'est bon. Attends, ouais non mais là je laisse tomber au secours quoi. Allez, attention, on y va. Ok, je vais peut-être utiliser mes flammes et mes éclairs. Bon, de toute façon, hop. Ok, là maintenant, on a juste à se laisser tomber. Se laisser tomber au bon endroit, évidemment, parce que tomber dans la flotte, non. Clairement, non. Faut se laisser tomber. Mais même là, le jeu, il veut pas. Tu vois, le jeu a été pensé pour te casser les couilles jusqu'au bout, hein. Y'a pas de soucis, hein. Ok, voilà, tu meurs. Mais tu meurs, vous, c'est... La logique, putain, ça marche pas comme ça, la physique. Les cochons, ils roulent pas sur la terre. Non, tu vas pas m'enculer avec tes tentacules. Non. Non, on est à la fin. On est à la fin, évidemment. Allez, on recommence. Allez, bannière. J'ai pas compté, hein. Y a pas de compteur de mort ni rien. Je pense que le compteur il va exploser. Hein. Le compteur de mort. Au secours! Non mais il va de toute façon avoir toujours un karma. Mais là, les cochons qui roulent. Non mais te fous pas de ma gueule. Tu te foutrais pas de ma gueule un petit peu là? Allez, vas-y, dégagez. Voilà. J'ai utilisé mon pouvoir pour rien du tout. Allez, les dagues. Putain, les dagues dans ton cul, je les aurais jamais. Alors là, on y va comme ça, on tue ça. On tue ça. On essaye de tuer ça. Regarde le truc, il essaye de titiller ton anus. Là, le truc, il va jusqu'au bout, quoi. Ok. Avance. Ok. Éclair. Oh, putain. Ok, attends. Je sais qu'il y a... Doppelganger. Il me faut... Stop. Le truc est en dehors de l'écran. Je fais comment pour l'appréhender? Je fais comment? Putain! Allez! On recommence! Putain, j'en ai ras le cul, quoi. Mais jusqu'au bout, le jeu, je veux pas. Le jeu, il est méchant. Allez, oh non, c'est bon. Oh non, c'est bon, j'ai rien dit. Ça me va grandement.
Alors attention, attention. Ah ouais, ok, là, pouf, je l'ai mis tout. Là, le truc, il va essayer de me... non, tu peux pas me... Non, tu peux pas me titiller. Toi, t'es mort. Toi, t'es mort. Putain, le truc au-dessus, il a essayé de me toucher, c'est bon. Bah, regardez, on l'a vu, le truc au-dessus. On l'a vu au-dessus. Putain, allez, recommence. Cette attaque surprise... Non, mais cette attaque, je peux pas l'appréhender, en fait. Je peux pas l'appréhender du tout. C'est pas possible. Allez, attention, on y va. Ok, attention les cochons. Les cochons vont être dessus. On fait juste ça. Ok, là les cochons vont... Mais les putain de cochon de merde qui fait jamais ça. Un coup il le fait, un coup, ah ben non, je veux pas le faire. Putain. Toi t'es mort au-dessus, j'espère que t'es mort. Non, t'es pas mort, hein. Parce que toi t'es en dehors de l'écran, donc évidemment, bah non, je vais pas le toucher. Putain, allez, on va dans tous les sens, on t'envoie un truc. Et j'ai pas la bonne arme, et j'ai pas le bon truc, évidemment. Putain, le petit caillou, mais le petit caillou, mais le petit truc de merde, quoi. Oh là là, eh, c'est... Ouh. Eh, ça me brise l'anus, hein. Ça me brise 100% mon anus. Alors, attention, on fait ça. J'utilise mon éclair parce que je suis sûr que le cochon va rebondir sur moi. Non, cette fois-ci, il s'est dit non. La physique, elle a marché. Il s'est dit, ok... Ça marche pas comme ça, la physique. Ça marche pas non plus comme ça, les trucs, putain. Entre les machins. Oui. Non. Oui. Alors, maintenant, on fait gaffe. On fait gaffe à tout. On regarde en haut, on regarde en bas, on regarde sur les côtés. On regarde là. Ok, il m'en balance un. Ok, il m'en balance un aussi, là. Ok, attends, là. Ok, ça, c'est bon. Ok, là, c'est bon. Oh, putain, le saut, il a pas passé. Oh, putain. Je compte même plus les morts, pire que Dark Souls. Ouais, non, le jeu... Putain, j'arrive pas à le passer, hein. J'avais dit, ouais, le plus dur est passé, mais que dalle, en fait. Me transformer en boulet, mais alors, me transformer en boulet, ce serait de la merde, en fait. Je suis en train de réfléchir à toutes les solutions possibles et tout. Regarde, regarde, encore une fois, je te l'ai dit, la RNG, elle est trop bizarre. Le cochon, il a... Il est où, le cochon? Le cochon, tout à l'heure, il est où? Mais l'éclair, il est passé où? Pourquoi il est pas activé? Active-toi. Ok. Un truc, un moment ça marche, un moment le truc il marche pas, mais va te faire enculer, quoi. Mais vraiment, quoi. Allez, on y va. On est reparti. Ça lague un peu, c'est normal, ça arrive. Vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, ça revient. Ok. Ah, ok, pas ok. Pas ok. Pas ok, le truc, si tu tombes... Tu tombes à 1 cm du truc, c'est la mort, quoi. Mais putain. Alors, vas-y, on est reparti pour la millième fois. Je suis en train de... Ça me saoule, là. Ça me saoule. J'arrive pas à le passer. Et pourtant, c'est un passage bidon, hein. T'as juste à faire pouf, 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 c'est bon. C'est passé. Je me marre depuis tout à l'heure. J'exprime mon côté démoniaque. Mais vas-y, mais mec, c'est trop dur, quoi. C'est trop dur. Alors, vas-y, pouf, ça c'est mort. Ça c'est... Je suis aussi mort. Putain, l'enfer, quoi. Mais l'enfer du truc, quoi. Il veut pas. Il veut pas, quoi. Il veut définitivement pas, le machin. Ok, on y va. On y va, 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 on y va. Faudrait que j'arrive à passer par le haut, en fait. Et que les cochons ne fassent pas n'importe quoi. Les cochons, on n'a pas fait n'importe quoi, c'est bon. Là maintenant, on fait ça. J'explose absolument tout. Là maintenant, il faut faire gaffe à ça. Regarde, 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 regarde que le truc. Il va me toucher. De bien loin. Ok, là, ça c'est bon. C'est bon, attends. Jouons méthodiquement. Jouons méthodiquement. Ça c'est bon. Maintenant. Maintenant. 1, 2, 3, 4. C'est bon. Et regarde là. Et regarde. Ce que je te disais face à la RNG. Bah là, c'est passé. Bah là, c'est passé parce que le jeu s'est dit, bah non, y a pas de souci. Mais juste, putain, RNG de merde, quoi. Et j'ai toute mon armure. C'est vraiment... c'est vraiment de la bite, hein. Ok, on est au fameux boss. Vous le connaissez, celui-là. Avec les couteaux, ça va mieux, ce boss-là, en plus. Évidemment, le fameux verre. Il est évidemment venu pour nous casser les couilles et nous hacher, évidemment.
Bon, là, ça va. Ah, peut-être pas maintenant. Peut-être après, juste après. Ah, peut-être maintenant. Pouf! Allez, c'est parti. Parce qu'il va, il va être comme ça, il va péter un câble, puis après moi, je vais arriver. Allez, couteau, 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 couteau! Oh, les couteaux en plus! Ok, ok. Maintenant, on se gaffe. Ça serait bien du first try, mais je pense pas du tout que ça serait... Ah, c'est faisable, hein. C'est 100% faisable. Faut juste que le jeu me casse pas les couilles au niveau de la RNG. Ah merde, ça fait rien, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, et tout de suite, toi tu dégages. Et là maintenant, on est parti. On est parti pour l'enculer. Alors il est parti aussi pour m'enculer moi aussi. Ah bah non, c'est bon. Bon bah... Eh, first try. Je trouve ça terrible, hein. Le jeu... je vous l'ai dit, je vous l'ai dit, la RNG, quand elle est avec toi, c'est tranquille. Mais quand elle est contre toi... T'inquiète pas que tu vas douiller. T'inquiète pas que tu vas roter du sang pendant quelques minutes. Et voilà. Donc on a déjà fait 3 niveaux. Il reste plus que... attends, 1, 2, 3, 4. Il reste plus que 4. Ok. Je vais pouvoir invoquer mon éclair. Qui va être super chouette. Et là, après, on va enchaîner avec... on va enchaîner avec... Oh putain, je réfléchis. Je réfléchis. Parce que j'aurai pas résurrection tout de suite. Alors on va faire le niveau 3. On va faire le niveau 3, puis on ira faire le niveau 2 après. Parce que là, je gagne 12 petites fées. Et 12 petites fées pour avoir le résurrection et arsenal. Ça va. Il reste encore beaucoup de souffrance à l'intérieur. On va au niveau que je déteste le plus. Le niveau 3. Le niveau 3 qui se passe tout dans le noir. Est-ce que je vous l'ai dit que c'était compliqué le jeu? Parce que là, ça va devenir vraiment chaud, parce qu'on les voit plus, les ennemis. Parce que les ennemis sont dans le noir, et évidemment, dans le noir, bah tu vois personne. Et surtout que maintenant, il y a les nouveaux ennemis, les petits fantômes, qui apparaissent uniquement si les bougies sont éteintes. Sinon, bah t'es mort. Et évidemment, il y a... vous allez voir qu'il y a quelques passages avec Red Hammer, bien entendu. Non, ça c'est non. Ok. Ah, petite fée. Ah putain, le fameux fantôme. Le fameux fantôme qui va me casser les bonbons pendant absolument tout le jeu. Donc lui, il faut le tuer impérativement le plus vite possible. Sinon, il va te faire ralentir, il va vraiment te causer pas mal de soucis. Voilà, c'est bon, c'est tué. Ok. Okay, je prépare quand même mon éclair. Donc là, je sais que dans quelques instants, il va y avoir une couille. Une grosse couille même. Une couille qui s'appelle Red Hammer. Si je l'active pas, faut pas que je l'active. Faut vraiment pas que je l'active, je l'activerai pas. Non, c'est bon, j'ai rien dit. J'ai rien dit. C'est bon, j'ai pas activé Red Hammer. Par contre, l'autre Red Hammer est de l'autre côté, donc on va l'éviter. On y va, c'est bon. C'est bon, j'ai eu de la chance pour la première partie. C'est la partie la plus chiante. Vraiment, pour moi, c'est vraiment un enfer. Là, on est bon. On est bon. On a fait des petites dingueries, mais pas... pas encore assez pour que je me dise on est bon. Parce que là il me reste plus que la caverne. La caverne, puis après ok, je vois à peu près ce qu'il me reste. Les bougies, la caverne, le dragon et la cascade. Ok. Là c'est bidon. Si vous avez fait si vous avez joué à Ghouls and Ghosts, normalement ça devrait être comme papa dans maman. Évidemment il y a un connard. Évidemment, il y a un connard qui va m'envoyer des éclairs. Ça va. Ce qui est bien aussi, c'est directement de prendre un sort qui te peut... un sort qui te permet de les transformer en crapaud. Au moins, t'es tranquille, mais juste, c'est un peu trop loin. Je l'ai jamais fini encore. Bah, tu vas voir. Le niveau 3, il est particulier, mais on va le finir. On va le finir, faut juste se concentrer, faire gaffe à absolument tout. Et tu vas voir, est-ce que t'as déjà fait les dragons ou pas? Pour savoir un peu, parce que là je vais te spoiler, hein, je vais 100% te spoiler le truc. Ok, ok, là, fais gaffe. En tout cas, ouais, ça me permet d'être bon. Ok.
Ok, ok, éclair, attendez. Éclair. Parce que moi, en plus, j'ai les deux éclairs, c'est vrai. C'est vrai, putain, je suis con. J'avais oublié que j'avais les éclairs x2. Regarde, le truc bien dans l'angle, bien dans le truc que tu peux pas l'avoir. Allez. Non, c'est bon. J'allais dire, t'es mort. Non, je suis pas mort. Ok, ça, c'est bon. Non, mais t'inquiète, je connais déjà... j'ai vu en vidéo, déjà. Ah, bah, donc, non, c'est bon. Que je veux pas trop spoiler non plus, hein, parce que... voilà, tu sais, si tu veux... encore de la surprise et tout. Donc là, il me faut les éclairs. Ça, je m'en souviens. Il fallait pas faire ça. Fallait vraiment tous les éclairs. Évidemment, au café ou au chocolat, comme vous les aimez. Je suis mort. Je suis mort parce qu'évidemment, évidemment, il y avait un truc qui te fait tomber en arrière. Rappel, pour ceux qui... seul qui veut jouer en paladin... Vous l'avez pas, hein. On n'a pas encore franchi une bannière pour aller à la deuxième section. Hein. Là, on n'est même pas à la deuxième partie du jeu. Hein. Donc pour ceux qui veulent jouer en paladin, bah, bonne chance, hein, les gars. Alors, attends. Je crois que... Non, je sais plus si la bougie... Non, ça n'allume pas, celle-là. Je sais plus si c'est dans cette section-là... Dans cette section-là ou pas, ici il y a Red Hammer. Oh, il y a Red Hammer là, je m'en doutais. J'ai eu un énorme doute. Un doute m'habite. Je veux pas. Je préfère mourir. Allez, Red Hammer. Allez, disparaît. T'inquiète, niveau spoil, je m'en fiche, j'oublie vite. Ah ouais, non, moi j'oublie pas vite, du coup, on sait jamais. Je vais essayer de manipuler Red Hammer en attendant que le truc disparaisse. Voilà, je suis mort de toute façon, ça c'est bon. J'ai pas le choix, j'ai vraiment pas le choix. Surtout que les couteaux c'est extrêmement important pour la suite. Donc on va éviter de faire des bêtises. Ouf. J'allais dire tout le monde est mort, bah que dalle. Et on en reste encore 3. Ok, ça c'est bon. Ça c'est bon, c'est vrai qu'Arthur pour se raccrocher j'avais oublié cet aspect là. Donc là on va passer tout de suite. Pour éviter le Red Hammer. J'ai eu la chance, le coffre m'a protégé de la chute. Même si bon, voilà le truc. Donc ça c'est mort. Ça c'est mort. J'ai oublié qu'il y avait une bougie en dessous de moi. MDR, allez on recommence. Ah ouais, non mais j'imagine, encore une fois, j'imagine difficilement. Hein. Faire le jeu en paladin, laisse tomber. Et bien, je suis mort tout de suite. C'est vraiment le passage un peu casse-couille. Faut vraiment atterrir bien dessus, sinon t'es mort. Là, pareil. On va peut-être faire ça. Pouh, merde, fallait le faire à fond, je l'ai pas fait à fond. J'avais oublié la bougie. C'est tendu. Alors, ok, donc ça c'est mort. Attends, toi tu meurs. Toi tu vis, toi tu meurs, toi tu meurs, toi tu meurs, toi tu meurs. Putain merde, Red Hammer, je l'ai activé comme un con. Évidemment, Red Hammer est totalement hermétique à cette attaque-là. Il va me suivre partout, hein. C'est pas... il va peut-être mourir ou quoi. Non, là c'est... Laisse tomber. Voilà, il me restait pas longtemps. Avec Red Hammer, il faut... Je peux rien faire. Je peux littéralement rien faire et... C'est l'enfer. Allez, go. On recommence. Réfléchis. Tap. Saute. Tap. Saute. Ok. Là, maintenant, c'est ça comme ça. Ok. Ok. Non, je vais attendre le ciseau qui passe avec moi. Voilà. C'est bon, on va passer comme ça. Je crois qu'il y avait un trou. Ah putain, les ciseaux de merde qui me suivent tous. Ok, il faut aller directement là. Après, on va là. Ok. J'ai oublié. Non, ça va. J'ai pas oublié. Ok. Faut sauter là. Putain, j'ai failli tomber. Oh putain de ciseaux de brin. Ciseaux de... Merde. C'est bon. Allez, maintenant section comme ça où il faut sauter.
Faut juste sauter. Juste sauter. Va, c'est bon. Je peux avoir mon sort de résurrection, mais on va pas le faire maintenant, parce qu'on ira le chercher après. On va maintenant faire le dragon. Donc les dragons qui sont... pas si durs que ça, de souvenir. Juste un peu troll. Ah oh non, ah oui non, j'ai rien dit en fait. Non, il est pas si dur que ça. Parce que... j'allais dire troll, non ça va. Parce que dans la deuxième section... on verra pas, dans la deuxième loupe entre guillemets du jeu, t'as des guillotines, t'as des ennemis dans tous les sens et c'est un enfer. Là non, ça va. Donc les méduses, qui sont dégueulasses. Dégueulasses les méduses. Et les dragons qui sont magnifiques, hein. Clairement le passage là il est vraiment pas mal. Il est vraiment pas mal, même si ouais, un peu troll et un peu chaud, hein. On va pas se mentir encore une fois, c'est quand même... faut juste de la concentration, juste bien sauter comme il faut. Bien faire gaffe aux méduses. Pourquoi il y a des méduses là, j'en sais rien. Ne me posez pas la question. Alors attention, attention, le gros troll ultime du jeu. Le petit dragon qui va dans le gros dragon. C'est rigolo. C'est bon. Checkpoint. Checkpoint, on est parti. Donc là, on est dans la séquence un peu... il faut faire attention à tout. Tout peut te tuer. Toutes les méduses sont chiantes. Donc là... ça va, normalement, ça devrait bien le faire. Parce que les méduses, je te dis, ça va. Parce que les autres, c'est vraiment, t'as des magiciens, t'as des petits machins qui volent dans tous les sens, c'est vraiment l'enfer, alors que là, ouais, non, c'est bidon. Bah, ça me semble bidon, ça me semble bidon. Donc là, c'est bon. Le passage est assez long, hein. Par contre, ça oui. Ça, oui. Petite fée? Petite fée, je récupère pas mal de fées, comme vous voyez. Hein. Les petites fées, c'est important. Et ouais, le passage est quand même magnifique, là, c'est vrai, ça fait vraiment un peu gothique, un peu, on va dire, un peu heroic fantasy, on va dire, plutôt. Merde, j'ai regardé le magicien et pas le jeu, qui est peut-être en first try. Non, pas au first try, ça m'étonnerait fortement. On va le tenter, mais ça m'étonnerait, parce qu'il y a des méduses aussi au-dessus, j'ai des souvenirs. Non, ça va. Non, ça va. Non, ça va. Ah, peut-être. Alors peut-être. S'il n'y a pas de méduse, ça va. Non, il n'y a pas de méduse. Bon, bah, c'est bon. First try. Checkpoint. Donc là, maintenant, il va me rester les golems et la descente. Donc les modèles en 3D, effectivement, quand j'en parlais dans la technique, donc ils sont là, les fameux golems en 3D. Ils sont bien faits, je trouve. Ils sont plutôt bien faits, ça va, c'est raisonnable. C'est pas dégueulasse, on va dire. Alors, ça peut être largement plus beau, mais... pour ce que c'est, ça va. Largement. First try, ce passage-là, ça m'étonnerait fortement. Parce que, sachant que ces petits trucs vont très très vite... Oh, 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 petite fée, reviens vers moi. Oh, ça c'est cool. Ça, c'est tellement cool. Une petite fée en plus... Non. Allez, la descente. La descente, je crois qu'il y a les saucisses ou les nems, c'est comme vous voulez. Ah voilà, je m'en souvenais de ça. Ouais. Donc là, il faut faire gaffe. Il faut juste regarder attentivement où ça va. Ah, j'ai voulu éviter le truc, et ben non. Évidemment, non, évidemment, j'ai sauté. Mais ouais. Non, ouais, passage des dragons, il est très très long et... rappel, si tu meurs, tu recommences au tout début de la séquence. Au début de la séquence, tu te souviens qu'on était tout en haut de la caverne après les bougies? Ouais, tout ça. Tout ça, et sans mourir, hein. Je rappelle que t'as deux coups et t'es mort, hein. T'as pas de truc magique et tout, là c'est... C'est un peu chaud, c'est un peu chaud. Merci, en plein dedans. Non mais le jeu, il est magnifique, quoi. Il y a vraiment une direction artistique qui est super chouette. Et encore une fois, c'est ce que je disais, c'est que... C'est pas un vieux truc éclaté, quoi. Ils ont fait un jeu qui est vraiment bien fichu techniquement et qui est totalement dans l'ambiance, hein. Je veux dire, il y a des dragons, il y a des faucheuses, il y a évidemment des chauves-souris dans tous les sens et tout. C'est vraiment un jeu qui parle vraiment aux gros gros fans de la série et qui ravira petits et grands. Surtout que t'as vu le nombre d'hommages. T'as évidemment énormément d'ennemis que t'as déjà vu dans les autres épisodes, mais même les différents ennemis, les différents boss, notamment. C'est totalement ce que t'as vu avant.
Je veux dire, en tout cas, les boss qu'on a vus jusqu'à présent, bon, bah voilà. Tant pis pour la petite fée. Tant pis pour la petite fée, officiellement. Officiellement, non. Évidemment, fallait sauter. Il fallait sauter, évidemment. J'ai pas sauté. J'ai pas du tout sauté. Mais en tout cas, on avance super bien. Je trouve vraiment, en 1h15 de live, il restera 3 niveaux. En plus, un niveau, ça va, et deux niveaux où je pourrais gérer. Enfin, le dernier niveau, ça va, c'est bidon. C'est que du boss rush. Donc, en vrai, j'ai bien joué. Je veux bien jouer. Je suis content de ma performance pour l'instant. Il y a du troll, mais il y a aussi du skill. Hein. Il y a aussi un peu de skill quand même. Mais j'ai aussi de la chance. Hein. Beaucoup de chance avec les couteaux et d'avoir les bonnes armes au bon moment. Ah ouais, non, le jeu m'a conquis. Hein. Perso, techniquement, ouais, je suis vraiment satisfait, tu vois. Putain, tu casses les couilles, hein. Le truc au dernier instant, dernier moment, tu sais. Hein. Allez, il me reste un coup. Survivre avec un truc, ça va être chaud. Hein. Mais c'est faisable. Oh, la petite fée, je l'ai eu. Merci. Alors, ok. Ah, ok, c'est pas ok. Fallait juste sauter une première fois, puis après, c'était bon. Ok, c'est bon. Normalement, ça devrait bien se passer. J'ai pas vu combien de petites... J'ai eu combien de petites fées dans ce niveau-là? Attends. Alors, j'ai combien de petites fées? 8, ça va. Pas de bol. Ouais, non, ça va. On va réussir. Hein. Mais 8 petites fées sur ce niveau-là, tu vois, c'est worth it. Hein. C'est pour ça que je préfère faire les niveaux comme ça, puis après revenir sur les anciens pour pouvoir les faire plus facilement. Parce que, ouais, si tu vas tout de suite sur les anciens avec pas de magie ni rien, c'est l'enfer. Donc là, il essaye de me sentir. Il me sent pas. Donc là, il va essayer de me sentir, il me sent pas. Et putain, le truc, il est tombé juste à côté de moi. Au secours. Ok. Pas de double saut. Pas du tout de double saut, mais tu peux tirer en hauteur. Donc c'était soit l'un, soit l'autre. Mais après, c'est Ghost and Goblins Resurrection et pas Super Ghouls and Ghost Resurrection. Donc là, ouais, t'as juste le tir en l'air, mais pas le double saut, je peux rien faire comme ça. Mais ouais, franchement, je pense que vous l'avez compris, un gros conseil, prenez votre temps pour aller récupérer les petites fées. Même si c'est chiant de faire des niveaux très compliqués, mais en tout cas, là, t'en as au moins 8, tu vois. 8 au début du jeu, bah c'est worth it de ouf. Et normalement, c'est bon. 1, 2, 3. Je vais m'en souvenir. Et on est au boss. On est 100% au boss. Re à toi, Benjamin, j'espère que ça va bien. Alors, le live, il est... Il fait ça, il fait yo-yo depuis tout à l'heure, mais ça va quand même. Ça va quand même, du moins que vous voyez bien la merde que je fais. Non, en vrai, du beau jeu. En vrai, du beau jeu, même si, évidemment, je suis mort. Mais ouais, le double saut, moi, quand j'ai commencé le jeu, que j'étais là... Ah bah, y a pas de double saut, bah non, dans le cul, bah du coup, ouais, j'étais... J'ai été un petit peu décontenancé, on va dire. Mais juste, ouais, après, c'est une question d'habitude, hein, je veux dire. Alors, attention, il me faut le doppelganger. Ok. Là, on va faire ça comme ça. Il va essayer de me foncer dessus. Ok, là, maintenant, il est uniquement dans la pénombre. Ok. Ok, il est où? Il est là. Parce que là, je le vois uniquement dans la lumière. Dans l'ombre, plutôt, mais juste... Ok, il est là. Il est 100% là. Merde. Mais il est chiant. Généralement, il enlève toujours le truc. Mais là... Ah, ok. Là, c'est bon. Il a plus son machin. Okay. Fais ta boule. Allez, fais la boule. Ok, fais la boule. Ok, il va bientôt crever. Normalement, il va vraiment bientôt crever. Faut juste qu'il reste comme ça. Fais la poule, non mais... Et pas fait la poule, évidemment, cette terrible chanson. Je suis sûr que le gars, il est content. Je suis sûr que le gars, il a gagné max de thunes. Là, il est toujours là. Tu meurs. Merde, il aurait pu mourir.
Les éclairs ne seraient pas plus judicieux. C'est un inefficace contre les boss, donc sache-le. Donc du coup, voilà. Bah, sinon, je me mets dans un coin. C'est bon, j'utilise toujours mes éclairs. Mais là, non, pas, t'as pas le choix. Il y a eu un bug de son et suite redémarrage. Écran bleu ou pas? Ah merde, avec ces shurikens, c'est chiant. Okay, je sais qu'il est là, je sais que t'es là. Je sais que t'es là, putain. Bah là, c'est mort. C'est mort de chez mort, parce qu'il va pas vouloir. Donc ouais, là, non. Tu peux rien faire pour... Quand t'es face au boss, tu peux pas du tout utiliser ton éclair. Ce qui est complètement con, mais... Ok, je suis mort. Non, je suis pas mort. Ok. Alors, je vais éviter de se faire toucher. Ok. Ok, par contre, je sais que les... Allez. Doppelganger. Je sais qu'il est là-bas. Ok. Ah putain, mais ouais, mais je suis con. C'est terrible. Bon, c'est les éclairs ne marchent pas contre les boss. Aucun boss. Donc ouais, là, c'est un peu... C'est un peu terrible. Il y a très peu de magies qui sont efficaces contre les boss. C'est pour ça que je te dis le doppelganger. Quand t'es face à eux, ça fait bobo. Ça fait vraiment bobo. Et ça permet de faire des dingueries, évidemment. Alors, on va attendre. Oh putain, tu casses les... couilles, hein. Ok, là maintenant il est invisible. Putain, là il m'a complètement... Il m'a complètement fait chier. Putain, ok. D'accord, là j'ai fait n'importe quoi. Et parce que on pouvait utiliser les pouvoirs de nos amers contre les boss, bizarre ce choix. Mais on peut utiliser des pouvoirs, mais pas les pouvoirs les plus craqués, tu vois. Donc pour l'instant, ouais, t'es obligé de faire comme tu pouvais. Il y a l'armure d'or, hein, mais juste on la verra pas dans ce live. Hein. Je vous le dis clairement, l'armure dorée est tellement chaude à avoir. Mais vraiment, quand je te dis super chaude à avoir, c'est l'angoisse, quoi. Il est juste là, qu'est-ce que tu fous? Attends, il est là, juste là. Putain, merde. Ça fait rien. Ça voudra pas. Ok, je sais pas où il est. Je sais où il est. Je sais 100% où il est. Doppelganger. Vas-y. Ok, je sais que t'es là. Vas-y, meurs. Doppelganger. Je vais mourir. Je vais pas mourir. Putain, chier. C'est terrible. Même la difficulté la plus facile, ça peut enlever... je sais pas, bonne question, là, par contre. Mais je pense pas, hein, je pense pas du tout. C'est une excellente question, là, petit Gibus, que tu poses, mais normalement, je pense pas que c'est possible. Oh, je testerai dans mon coin, mais... je pense pas. Parce qu'il y a déjà assez... franchement, il y a déjà assez de trucs qu'on t'offre, déjà, en mode... laqué et tout. Attends, t'es là... Je t'ai vu, ouais, mais maintenant t'es dans... Ok... T'es là, t'es dans le coin, je t'ai vu. Doppelganger. Maintenant je sais t'es où, fais pas style. Ah, fais chier, mais il arrête pas de me... Le truc, c'est qu'il me fait jamais sa boule, et c'est terriblement chiant. Alors, il donne des conseils, effectivement, quand tu meurs plusieurs fois, mais juste... Ça sert à rien de toute façon, on sait comment le bat, c'est bon. Ok. Peut-être attendre. Ok, là, il va faire ça, d'accord. Doppelganger parce qu'il est trop haut. Ok. Fais bobo, on est sur le même endroit. Ok, il lui reste plus grand chose. Il lui reste vraiment plus grand chose. Parce qu'il est en train de clignoter. Vas-y, clignote bien. Allez. Ok, il va mourir. Je pense qu'il va mourir.
Ok, il est mort. C'est bon. Là, t'as vu, la RNG, elle était propre avec moi, et puis du coup, bah, je l'ai tué en 2-2. Je l'ai tué en 2-2, sans aucune difficulté, juste... Bah, le jeu, quand il veut pas, il veut pas. Hein. Il veut vraiment pas faire le bon truc, et... c'est terrible. Mais là, je pense que tu t'as bien compris, Doppelganger contre les boss... c'est efficace. C'est plutôt efficace, on va dire. Donc, hop, ça, c'est bon. Premier. Je pense qu'il voulait pas que le jeu devienne trop facile au niveau de boss. Ouais, je pense aussi, hein, largement, mais... T'as énormément de magie, hein. Je pense que t'en as une d'assez simple. On va y déjà y aller pour débloquer ça. T'en as une petite... je dirais une petite vingtaine, là, comme ça, à vue d'œil. Donc du coup, tu comprends que forcément... pas forcément idéal de faire... de donner trop de trucs pour le joueur. On va faire ça, on va faire Méduse. Il me faut Arsenal. Arsenal qui est juste là. Ok. Donc maintenant il me faut 8. Il me faut 8. 8 fées, puis c'est bon. Puis après je réfléchis. Donc j'ai essayé fait résurrection, puis après on va essayer de taper le résurrection 2. Non, bah non, je suis con, ça servira à rien. Ça servira à rien pour ce live. Peut-être Doppelganger 2, je sais pas. Ou caleçon déjà de puissance, ça serait cool. Mais voilà! On va aller faire le deuxième niveau qui ressemble beaucoup à Ghouls and Ghosts. Et on ira faire le niveau 4, niveau 5, et on aura terminé le live, pour le coup. J'espère qu'en tout cas ça va au niveau de... Ça rame pas trop, c'est plutôt fluide, même si je doute fortement que c'est fluide. Mais bon, encore une fois, mille excuses pour le coup. Hein. Encore une fois, je sais que le jeu... c'est surtout OBS, plutôt OBS hein, qui tire beaucoup sur les capacités du PC, donc c'est un peu terrible. Mais sinon le jeu en vrai, c'est ce que j'ai pu expliquer au début, dans la première intro de ce live, c'est que moi j'ai pas eu de problème, hein. Le truc il était passé nickel et 1080p, 60fps, le jeu aucun freeze, juste ouais non, c'est peu du mal passé. Là c'est un des niveaux que j'ai pas encore toutes les petites fées, donc si j'arrive à en trouver des certaines que j'ai pas vues, ça m'arrangerait. Donc hop, les crapauds. Je vous l'ai dit, c'est une attaque assez puissante pour être tranquille. Pour pouvoir faire des dingueries. Ok. Deux fées que je sais pas du tout où elles peuvent être. Je les ai pas trouvées encore. Mais bon. Mais ouais, OBS, il tire beaucoup. C'est terrible, hein, parce que sinon, le jeu, il passait tranquille. T'as joué sur quoi, Chrono Trigger? Peut-être sur... Tu joues sur PC PC Steam ou... Bah ouais, non, théoriquement, ouais, c'est parce que sinon tu me dirais pas ça rame comme ça. Oh, petite fée, il y en a une là. Genre, je savais qu'elle était là. Une. Mais il m'en faut plus que une. Attends, il m'en faut... Ouais, il m'en faut au moins 8. Pour avoir Arsenal, pour essayer d'avoir... à la fois les couteaux et à la fois l'arc. Ça me serait extrêmement utile. Surtout pour les deux boss finales, que je voulais défoncer comme ça en 2-2. Oh putain, le saut. Ok, ça sert à rien, c'est des points. Parce que oui, hein, le jeu... Je sais pas si vous voulez faire des points dans le jeu, c'est peut-être le truc le plus... le plus important, au secours. Qui c'est qui va faire des points là-dedans, quoi? Et ça va. Ok. Comment ça, je suis mort par quoi, là? Attends, je suis mort par quoi? Est-ce qu'il m'a touché au-dessus? Ok. Il y a le checkpoint pas loin. Je vais peut-être mettre ma magie. Ma magie crapaud. Ok. Ça, c'est bon. Ok. Et là, attention, on va tomber. Au bon endroit, on va récupérer la petite fée. Et on est... Maintenant, les portes. Les fameuses portes, si vous avez joué à l'épisode original, vous savez que c'est l'angoisse avec ces petites gargouilles. Ok, maintenant, faut juste regarder. Putain, évidemment, il n'y a pas... Vous pouvez pas me filer une petite armure. Une petite armure super chouette. Ouah, c'est... Putain. Merci, j'ai paniqué. J'ai paniqué. Oh putain. Le skill.
sa mère. Oh putain. Oh putain, j'ai fait... Ah j'ai... Wouh. Quand je vous disais, le jeu, je le maîtrise, ça va. Ça va. C'était pas maîtrisé du tout. C'était pas maîtrisé du tout. Mais c'était... Ah, c'était beau. Ah, c'était vachement beau, ce que j'ai fait. Je suis content. Allez, j'ai récupéré plein de petites fées. Est-ce que je vais mourir bêtement à la fin? Attention. Non, 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 je vais pas mourir à la fin. Pas sur un truc bidon comme ça. Allez, la zone. Au moins la zone. Ah, la chatte à Mireille, mais vraiment la grosse, grosse chatte à Mireille. Et là, oh putain, je regardais pas l'écran. Au secours! Au secours, mais ouais, non mais... Allez, je suis mort. Ah putain! Ah non, j'ai le skill avant, mais... Oh, 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 j'étais bon! J'étais vachement bon! Ah putain! Eh, trop de sensations fortes hein, dans ce live aujourd'hui. On va arriver. Oh putain, on va arriver à la tour de ses morts. Oh non, mais ça va être horrible. Il y a là, il y a un coffre, ça je me souvenais. Merde, je regarde pas où il faut. Meurs, 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 c'est bon, c'est mort. Alors, doppelganger, parce que je sais qu'il va voir. Il va voir les gars, évidemment, comme ça. Les affreux pas beaux. Donc là, avec même sans le doppelganger, ça va bien, mais juste, c'est vivement recommandé le doppelganger là-dessus, parce que je le défonce en 2-2. Donc là, je vais peut-être attendre, parce qu'il va en avoir deux, il y a une petite fée. Très certainement que je vais mourir, mais ça fait rien. Alors, on y va. Là, il va avoir une petite fée dans 2 secondes. Pour la récupérer, ça va être chaud. Bah voilà, je suis mort. Ok, d'accord. Ça va être chaud. Ouais, bah on a vu ça, c'est très chaud. Rappel, hein, j'ai un sort de résurrection. Hein. Le sort de résurrection, tu ressuscites une fois sur 1 milliard. La sauvegarde du jeu a échoué. Ah merde, on s'en fout. Oui, non, on s'en fout. Ah ouais, non, au secours. Donc ça, c'est Steam. Hein. C'est Steam qui a un peu de mal à bien sauvegarder. Bah, y'a pas de soucis. Ça va être un peu chiant s'il me demande ça toutes les 2 secondes. Ok, alors là on saute. Là on saute. Là oui, ok. Là on saute, oui. Ok. D'accord, ça va. C'est bidon. C'est bidon, c'est maîtrisé. C'est maîtrisé, maintenant doppelganger pour faire ça. Pour faire. Ça c'est mort. Ok. Là, avec l'arc, ça irait tellement mieux, mais juste, j'ai pas du tout l'arc. Là, je l'ai complètement dans le cul, hein, sans arc. Bon, je pense que laisse tomber pour la petite fée là, parce que ça va être trop dur. À moins que je shot au bon moment. Non, laisse tomber, elle viendra même pas. Ah, peut-être, est-ce que je peux les transformer en crapaud, ces mecs-là? Je pense pas, hein. À voir. Non, je peux pas les transformer en crapaud, ils sont trop gros. Ah, c'est con. C'est con, et surtout que là, pas le choix. J'ai vraiment pas le choix. Ok, là maintenant, il faut qu'on y va. Faut qu'on les tue, au moins un. Un en moins. Les éclairs. Éclairs, c'est pas efficace contre eux, quasiment. Alors que là, non, c'est bon. C'est bon, on les a tués. Tous les deux tués, on va pouvoir faire checkpoint. Là, c'est mon passage que j'aime le moins sans la magie, sans les magies que j'ai habituellement, on va dire. Vous m'avez compris. Parce que là, sans les magies que j'ai habituellement, donc tous les doppelganger plus le arsenal, c'est un petit peu terrible. Là, vous allez comprendre à quel point c'est dur et à quel point il y a intérêt d'avoir les couteaux. À quel point les couteaux sont puissants dans ce jeu. Je suis mort. Je suis complètement mort parce que je voulais taper d'abord le corbeau qui me fonçait dessus, mais juste pas possible. Mais les éclairs, ouais, c'est laisse tomber parce qu'ils meurent pas tout de suite, en fait. Sinon, avec les éclairs, en 2-2, tu le fais, quoi. Mais il n'y a pas moyen. Il n'y a vraiment pas moyen, malheureusement. Ce qui est dommage. Ça, ouais, c'est vrai que je dois éclater les barils avant d'y arriver. Alors ça, on y va. Là, il est loin. Ça, c'est bon. Et ça repop, hein. Ça repop, évidemment, en boucle. Donc, t'as intérêt à avancer le plus vite possible. Putain, regarde le truc, j'ai même pas pu choper l'échelle qui était déjà là. Ça, c'est vraiment fils de pute, hein. Ok, ça, c'est mort. Celui de droite. Ok. Ok, je vais essayer de le toucher. Non, je peux pas le toucher, trop tard.
Trop tard, mais lui, il faut y aller. Putain, c'est tendu, là, il faut faire ça. Ok. C'est bon, on peut aller chercher la petite fée, normalement, sans souci. J'ai pas vu le corbeau. J'ai pas vu le corbeau, par contre, j'ai vu l'autre. Ça, c'est bon. Là, on peut avancer. On peut avancer. On peut tout péter. Là, pareil. Là, on avance. Là, on fait gaffe. Là, on pète. Je l'aurais bien voulu péter, mais je peux pas péter son cul à lui. Putain. Ah, putain, fais pas ça. Vous sentez la pression, en fait, dans le mouvement et dans la voix. C'est un peu tendu. Donc là, lui, il est aussi chaud que le reste. Je meurs, je meurs, je meurs, je meurs. Je suis complètement mort. Allez, on t'en remet un deuxième parce que tu sais, on sait pas si tu survis. Allez, éclair. Non, doppelganger. Allez, hop, ça c'est bon. Normalement, même loin, lui je le tue. Ok, ça c'est bon. Ok, ça c'est bon. On est bon. Allez. Maintenant, les sauts. Les sauts, c'est normalement comme papa dans maman. On arrive à le faire, on a l'habitude. Mais voilà, le jeu, franchement, je pense que vous avez reconnu aisément la prison qu'il y avait, notamment dans l'épisode original. Hein, dans le premier Ghost and Ghost, par contre. Ok, là, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Je sais qu'il va y avoir une petite fée dans 2 secondes. Enfin, si je tombe pas, si je meurs pas. Ok, ok. Là, il va avoir une petite fée. 1, 2. Non, il va pas le mettre trop loin. Trop loin. Trop, beaucoup trop loin. Ah, c'est bon. Ok, c'est bon. Donc, je prends des risques. Hein. Je prends des risques pour l'avoir, les fées, encore une fois, pour essayer d'être tranquille et être bien. Surtout qu'on va arriver bientôt aux 2 derniers niveaux de l'enfer. Où, franchement, il me faudrait à fond mon arsenal pour débloquer mon... Débloquer l'arc. Et après Doppelganger pour le reste du jeu. Mais ça va voir. Hein. C'est, franchement, je pense que tu l'as vu que c'est tendu le jeu. C'est tendu jusqu'au bout, quoi. C'est tendu jusqu'au bout. Tout peut te tuer. Tout peut te tuer. Et un moment d'égarement te fait mourir. Ce qui est terrible. Donc 1h37 de live, c'est pas mal. Sachant qu'on a fait déjà... au moins quasiment presque la première loupe, c'est cool. C'est dommage que le jeu soit aussi chiant que ça pour la deuxième loupe, sinon ouais on l'aurait fait aussi tout de suite. Je suis tendu à ta place. Ouais non mais tu vois le nombre de couilles qu'il y a sur la route. Le nombre de piaf quoi. Et même dans Castlevania, il y en avait moins, s'il te plaît. Ok. Okay. Ok, passe. Passe. Drôle ! Allez, allez ! Tout en bas, c'est reparti. Et après, de toute façon, il y a un méchant à battre, puis après, on sera au boss. Donc ça va. Ça va, mais juste y aller, déjà, c'est chiant. C'est vachement chiant. Surtout les corbeaux qui sont... Je les trouve super mal placés, là. C'est vraiment relou. T'es obligé de sauter, alors que généralement, ils arrivent pile dans ton viseur. Okay. Genre là ça va, y a pas de problème. Et on va arriver effectivement au fameux méchant à battre. Et je sais qu'il y a une petite fée pas loin, qu'il y a une petite fée si je dis pas de bêtises là. Et après faut la récupérer. Comme ceci, évidemment c'est passé. Je vais regarder, alors excusez-moi, c'est normalement je devrais pas faire ça, mais non, y a pas de petite fée par là. Pas de petite fée secrète. Non, y a pas de petite fée secrète. Bon bah tant pis. C'est bon, c'est tué. Excusez-moi, c'est moi qui cherche. Je suis en train de chercher mes petites fées que j'ai pas trouvé dans l'autre passage. Mais bon. Deuxième séquence, maintenant sur le dragon. Donc la première partie du dragon. Je suis mort. Merci. Merci beaucoup. Pourquoi ? Encore heureux qu'il y a checkpoint, hein, sinon j'aurais pleuré. Mais le jeu qui me tue, ça va ? Je pourrais au moins voir un peu le dragon, au moins expliquer aux gens, ça ressemble à quoi le dragon ?
Alors non, on prend pas ça, certainement pas. Et là, il faut impérativement le défoncer le plus vite possible. Plus on le défonce comme ça, et plus il sera un peu plus faible. C'est quoi cette mort? Bah la mort du chargement, évidemment. Le chargement n'a pas voulu, et... Connard de jeu, va. Allez, là je fais complètement de la merde. Et tuer le dragon. Après, sans armure, ça va être chaud. Hein. Allez, vas-y, meurs. Alors là, attention, demi-tour. Demi-tour droite. Et là, attends. Un petit saut. Ok, maintenant la vraie phase du dragon. Parce que là, c'était que la première partie. C'était que l'entracte, évidemment. Il est où? Il est là. Là, il va me suivre. Ok, c'est le passage où il me suit. Attention à sa queue qui balance des éclairs. Pourquoi? Il est où? Ok, là, c'est le passage où il fait ça comme ça. Ok. Attention aux éclairs. Ok. Ok, il est bientôt décédé. Visiblement, parce qu'il est en tout petit. Je suis mort! Putain, je suis bon, hein. Je suis vachement bon, c'est terrible! Non, là, je suis mort. Ah non, c'est bon! Oh putain, le jeu, il est bon! Non, j'ai fait n'importe quoi! C'est terrible. Ressuscite? Oh, il ressuscite! C'est bon! Je peux vous montrer en plus comment il ressuscite. C'est bon, il m'a donné une seconde chance! Ah putain, le jeu il est gentil. Ah, le jeu il est gentil là. C'est bon. Non, c'est bon, j'ai ressuscité. Normalement, ça devrait passer. Avec le doppelganger en plus. Oh bah voilà, t'as vu. Les doigts dans le nez. La chante. Ouais, j'ai de la chance. Mais tu comprends pourquoi j'ai insisté autant pour qu'on ait le doppelganger et la résurrection? Maintenant, tu comprends. Tu comprends pourquoi je le voulais. Et on est passé. Merci le jeu, t'as été gentil pour une fois. Ouais, non, mais le jeu. Oh non, je suis content, le jeu. Au moins, vous avez pu voir au moins une résurrection véritable pour le coup de mon héros. Je vais boire un coup parce que je commence à avoir la gorge un peu sèche. Il me reste deux niveaux, on a terminé la première loupe. Et comme je le disais, hein, le jeu. Pas si dur que ça, hein. Vraiment pas si dur que ça, et comme papa dans maman, hein, ça passe bien. 5 fées, hein, c'est pas beaucoup, c'est vraiment pas beaucoup. J'avais dit, il me faut 8 fées pour... 8 ou 9 fées pour l'arsenal. Bon, normalement, on devrait l'avoir à ce niveau-là. À ce niveau-là, je réfléchis un peu. Ouais, normalement, ça devrait bien se passer. On pourra même utiliser l'arsenal, on va le dégommer le boss de ce passage-là. Si j'ai l'arsenal avant la fin, ouais, largement. Alors là, attention, il faut pas activer les yeux parce qu'effectivement, tu vois qu'il y a des... On dirait des petites orbes sur les cavités, et il faut faire attention, parce que si tu touches les yeux, tu vas avoir des petites surprises, genre Red Aramer, par exemple, entre autres, qui va arriver de te faire un petit coucou. Donc on évite de faire des... Déplacement à la con. On essaie de récupérer tout. Putain, j'ai la chance de ouf. Oh, fait chier, j'ai activé un plus en même. Ça fait rien. C'était l'entracte, un petit peu pour bien faire les choses. Je voulais la petite fée, on va dire. Mais juste, ouais, là, c'est juste du petit coup. Du petit coup merde. Ok. Ok, donc là, ouais, vous avez vu, dès que t'actives un œil, ça fait des dégâts et il va t'activer un machin, des monstres, des pièges et surtout des trucs bien relous qui va te faire perdre un petit peu tes moyens, qui va sauter dans tous les sens, genre ça. Putain, le truc. Typiquement. Donc là, je vais utiliser un éclair parce que pas choix. Éclair. Voilà, les éclairs n'activent pas les yeux, donc je peux être tranquille. Putain. Merde, je fais n'importe quoi. Je suis mort. Je suis complètement mort. C'est chiant. C'est vachement chiant. Et je ressuscite une deuxième fois. Non mais le jeu. Je tiens à préciser que ressusciter c'est rare. Hein. C'est super rare avec le coup, mais là le jeu, ouais, il veut que je réussisse. C'est sympa. C'est gentil.
Putain, le jeu deux fois, quoi. Le jeu deux fois, il me ressuscite. Wow. Non, c'est bon, là, il va pas me ressusciter trois fois. Putain, le jeu, ouais, il est gentil. Je suis étonné. Je suis étonné. T'as jamais ça. Et là... Merde. Et évidemment, il y avait une... Je suis mort. Je suis complètement mort. Je suis pas complètement mort. J'ai résisté. Je te survivrai. Et je... Non, je suis mort. Je... Tuez-moi, s'il te plaît. Va plus vite. Donc je sais, ok, il y a une petite fée là, on va essayer de récupérer la petite fée. Puis après on va pouvoir bien progresser. Je vais faire une connerie, taper le truc au mauvais moment. Genre là comme ça c'est bon. Là on attend. Ok, petite fée, en plus je pourrais avoir... Ah, mon arsenal. Merde, Red Aremer. Allez. Et là, c'est le bordel. Tu veux vraiment que je te montre le bordel? Je peux t'en montrer un dans deux secondes, si tu veux. Hein, mais tu vas comprendre c'est quoi l'enfer, le véritable enfer. Quand t'as énormément d'ennemis dans tous les sens, plus le machin qui veut pas, plus le machin qui t'amène des trucs en plus. Moi, la RNG, c'est une histoire d'amour. Non, mais franchement, ouais, la RNG, là, j'ai... Je suis vachement surpris, quoi. Alors, évidemment, ça va. Mais ouais, franchement, ce passage-là, il faut vraiment que tu fasses gaffe à tout. Putain, Red Aremer. Ah, évidemment, j'ai activé un truc qu'il fallait pas. Oh là, je suis en train de faire n'importe quoi. Je suis en train de faire n'importe. Mais regarde-moi cet enfer. Il y en a dans tous les sens. Je suis mort. De toute façon, il y a Red Aremer à mon cul. À moins que je vais... Je vais aller passer par le bas. Attends, je sais comment on fait. On passe par le bas. Allez, checkpoint, c'est bon. J'ai rien dit. Mais il y a toujours Red Aremer, hein. Red Aremer est toujours là. Hein. Tu l'entends pas, mais moi je l'entends faire son bruit là. Son bruit de raptor pas loin. Allez, c'est parti. Le boss de Ghosts and Goblins. Ben voilà, il est là. Regarde, Red Aremer avec un autre boss. Ouais, non, c'est bon. Fallait s'en douter, bon oui, c'est mort, hein, c'est complètement mort. Ah, ce boss, je m'en souviens, ouais, c'est le fameux boss. Ah, tu sais, avec les langues et tout, puis à la fin, tu tombes dans le trou et t'as évidemment ce truc-là. Donc, il est là, il est présent, il est palpable. Et j'aime bien l'arrière-fond où tu vois énormément de muqueuses et tout, c'est vraiment super chouette, c'est vraiment un autre monde. Et encore une fois, le jeu, il est tellement beau, quoi. Ce pauvre boss qui fait sa vie tranquille. Et moi j'arrive. Tu vas crever. Tu vas prendre mes couteaux. Et mourir. Dans d'affreuses souffrances. Ok. Je réfléchis. Hein, attendez. Ok. Éclair. Putain, pas éclair. Éclair. Ok. Voilà. Éclair, c'est bon. Ok, ça s'est tué. Mais en reste plus beaucoup. Fallait pas être là, bah je sais, mais bon. Il se met sur la route. Mais en tout cas, sur la route, bien placé. Hein. Bien placé pour qu'on l'utilise comme plateforme. C'est pas mal. En tout cas, tu vois, la petite référence à l'ancien épisode, c'est top, quoi. C'est vachement top. Ils auraient pu ne pas le faire, hein. Mais juste, c'est sympa. J'aime bien ce petit clin d'œil que je reconnais en tant qu'amateur de la franchise. Ah, attention, là je sais qu'il y avait de la merde. Il y a un coffre maudit, mais on va pas le prendre. La petite fée. 10, c'est pas mal. Alors là, le passage. Quand je vous disais le jeu est très compliqué, vous allez comprendre c'est quoi la vraie difficulté du jeu. Voilà. Vous vous souvenez d'un passage comme ça, bien relou? Là, on va recommencer plusieurs fois. À moins que je sois chaud et que je fasse gaffe à absolument tout, ça va être tendu. Parce que là, je rappelle que je touche la paroi, je suis mort. Hein, je sais pas, par... juste pour vous le préciser, quoi. Au cas où ça serait pas assez clair comme ça, qu'avec les pics et tout, que tu pourrais survivre. Mais non, évidemment que non. Alors là, ok. Là, ok. Des points. Je vais prendre des points. Qui veut prendre des points dans ce jeu? Alors évidemment, il y a la guillotine. Évidemment, il y a le connard là. Vas-y, avance. Ok. Là, maintenant, on fait gaffe. Ok.
Je fais du first try, je chiale. Vraiment, je chiale si je le fais en first try, mais ça m'étonnerait fortement. Ok, là, faut passer par là. Là, je me souviens qu'il faut passer par là. Parce que c'est plus facile. Et c'est surtout près de la sortie. Fais chier. Allez, près de la sortie. Non, eh, franchement, pas du first try. Pas maintenant. Tu le fais en first try, je chiale, quoi. Ah putain, évidemment le truc, bien sur toi, évidemment, bien sûr. Je vais aller chercher mon arsenal, j'arrive deux secondes. Deux secondes. J'allais dire, ouais, first try, j'aurais été chaud. Labyrinthe de la mort, j'ai pas eu... Bah si, j'ai eu le checkpoint avant. Ah merde, j'ai pas voulu. Bah ça fait rien. Ça fait rien, on va devoir refaire la... Bah si, j'ai eu le checkpoint, attends, je suis con, j'ai pas vu. Bizarre. Alors là, déjà eu, on a la méduse. On prend la méduse. Je vais prendre mon arsenal. Hop, comme ça, je vais pouvoir prendre deux armes avec moi. Comme ça, je perdrai beaucoup moins les couteaux, tout simplement. Et après, je vais économiser pour prendre le caleçon. Hop. Si, j'ai pris le... Il y a un checkpoint, là, si je dis pas de bêtises. Je l'ai pas eu. Ou je suis pas passé dessus. Bon, ça me paraît bizarre. La zone est ultra restreinte, c'est ignoble. Ah ouais, non, la zone, t'as pas intérêt à un peu trop avancer, hein, pour le coup. Si, il y avait un checkpoint, attends, ça me perturbe. Ça me perturbe énormément. Il y avait un checkpoint, là. Au pire, je sais comment je vais faire pour le passer plus facilement. Parce qu'il y a la zone maudite. On va dire l'arène infernale. De souvenirs, alors vraiment de gros souvenirs, je pense que ça fait bypasser tout. Ça pourrait m'arranger, mais je suis pas sûr de moi. Putain, évidemment. Merde, attends, je passe un drapeau pourtant. En fait, ça me perturbe là. Ça me perturbe beaucoup. Il y avait un drapeau avant. Ok. J'ai de la méga chatte. Je pensais mourir. Hein. Je pensais une nouvelle fois mourir. Mais non, ça va. Ça va largement. Du coup, hop, le boss part. Bon, attends, ça me paraît... En fait, ça me paraît pas logique. Ok, ça s'est tué. Au cas où, je pourrais faire l'arène infernale. Et là, il y a un checkpoint. Bah, il est pas passé, mon checkpoint, tout à l'heure. Pas compris. Après, c'est pas le boss le plus dur. Ouais, non, franchement, ça va. Ça va largement, mais juste ce passage-là... Quelle angoisse. Quelle angoisse, faut réfléchir. Non, bizarre qu'il me l'a pas pris en compte. Bon, après, on s'en fout, je veux dire. C'est juste une histoire de quelques secondes. Ok. Peut-être faire. Prendre les crapauds, comme ça, ça permettra de les transformer en crapauds rapidement. Donc, le sort se charge en 2 secondes. Donc, j'ai pas loin à aller si je dois l'activer. Allez, peut-être une armure, ça serait cool. Putain, pas d'armure, quoi. Dans ton cul, quoi. T'es dans la merde jusqu'au bout, quoi. Ok. D'accord. Allez. On est bon. On est bon. Fais gaffe à tout. Regarde en haut, regarde en bas, regarde à gauche, regarde à droite. Oh, putain, je l'ai vu, lui. Il a apparu très rapidement et... T'es mort. Ah bah non, en plus la zone elle est juste avant. Ah bah non, laisse tomber, on est obligé de faire ça. On est obligé de réussir. Soit réussir ou réussir, bon bah pas le choix, faut réussir. Non, la zone elle était juste avant. Et là bah j'ai... Ouais, non, c'est mort pour le faire. Ah bah non. Non, voilà, c'est du par cœur après, ça devrait bien le faire. Alors maintenant, attends. Là elle va monter. Oh putain, et je pense au niveau quand il est en... La deuxième loupe, en fait, et je me dis, putain, la deuxième loupe. Ah ouais, la deuxième loupe, elle est...
beaucoup plus salé que ça. Parce que là, c'est la première fois qu'on y va, et plus tu fais le niveau, plus ça devient dur. Et vraiment, la deuxième loop, la deuxième loop où t'as plein de trucs qui te balancent des cochonneries dans tous les sens, c'est horrible. C'est vraiment horrible. Donc il me reste encore un Arthur. Ok. Vas-y, c'est bon. Putain. Putain. Ok, ça passe. Ça passe. Ça au-dessus, ça passe. Moi, je passe. Je passe pas, connard. Mais putain. Eh bien, évidemment, je vais pas ressusciter, hein. Tu t'attendais à quoi? Moi, ressusciter ce passage-là? MDR. C'est chaud. Patate. Vraiment, c'est super chaud. On va réussir. On va réussir. Après, j'ai le sort crapaud. J'oublie toujours d'utiliser mon sort crapaud. Faut de la concentration. Faut 100% de la concentration. Regardez où il est, où sont les machins. Non, et bien sûr que non. Ça rame un peu, c'est normal. Hein. Je précise pour ceux qui débarquent. Ça rame à cause du PC qui n'aime pas trop OBS plus le jeu. Ce qui est con, parce que le jeu il tourne sans problème. Ah, c'est vrai que je peux... Hop, je peux utiliser une deux armes. Deux armes qui me... Alors celle-là me servira à rien, mais peut-être tout à l'heure. Ok, ça c'est bon. J'ai... Je suis full armure. Le pire, c'est que je sais à peu près où il faut passer pour survivre le plus possible. Mais on y est presque, hein. On y est vachement presque. Ok. Ok. Ok, là maintenant je passe. Je passe. Putain, c'est bon. Ok, c'est bon. Là, on va là! Crapaud. Ok. Ok. Stresse pas, Val. Stresse pas. C'est pas comme si le truc était juste minuscule. Le truc qui pouvait te toucher en 2-2. Le machin qui débarque de nulle part. Non, c'est bon. Théoriquement, c'est bon. Si je me concentre bien... Ok, c'est bon. Là, c'est la plateforme de fin. C'est la plateforme de fin. Là, il peut rien m'arriver, quasiment. Juste, il faut sauter. On dirait un anus quand même. Chut! C'est pas un anus. C'est une bouche d'un monstre. Je rappelle, c'est pour aller à la cathédrale de Lucifer. Hein. Lucifer te fait passer par son anus pour... pour évidemment, pour faire ça. Je vais me passer par là, comme ça je serai tranquille pour le saut. Parce que là, hé, regarde, c'est pas un peu bâtard, ça, de mettre un trou juste avant le drapeau? Moi, je trouve ça complètement con, hein. Et fils de pute. Ah, le marteau de merde, laisse tomber. Allez, c'est parti pour la mouche. La mouche que tu avais aussi dans Ghouls and Ghosts. C'était le truc avant, avant de passer le portail de Lucifer. Donc, pour ceux qui se souviennent, bien entendu. Alors, attention, il va me balancer ses œufs. Les œufs sont dangereux. First try, ça m'étonnerait fortement. Je serais étonné, tu vois. Putain, bah, je serais étonné. Je me disais aussi. Attention. Ok. Là, on fait ça. Mais putain, mets-toi droit! Mets-toi droit! Allez, on essaye de le toucher, on ne touche que dalle, on touche que dalle. Putain, allez, là, c'est laisse tomber, le truc, il va me défoncer en 2-2. Avec l'arc, je fais tellement dommage, c'est terrible qu'on l'a pas encore. Là, ok. Là, par contre, on va faire bobo. Là, on va faire bobo. On va vraiment faire bobo. Mais c'est mort. Putain, first try. Je suis trop fier de moi, quand même, les gars. Je suis trop fier de moi. C'est chaud. C'est chaud. Mais first try, quoi. Au secours. Et il est dur. Et pourtant, il est très dur, ce boss-là. Vraiment, hein. Faut s'accrocher, hein. Faut s'accrocher, parce que sans arc ni rien... Ouais, j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance, parce que quand j'étais sur la plateforme du haut, ça a monté, j'ai pu le bourrer vraiment largement. Et ça a pu vraiment le faire extrêmement mal. Donc, il reste plus qu'un niveau. Alors, on va allumer un petit peu.
Évidemment, ça fait un peu sombre. On envoie plein de messages pour justement la review qu'on a faite. C'est cool, c'est cool. Donc, la forteresse de l'ombre, il me manque plus que un niveau et on va aller sauver Prin Prin. Donc, il me faut l'arc. Il me faut plus que l'arc et c'est bon, c'est fini. L'arc, je défonce les différents boss. Alors, évidemment, je sais ce qui va je sais ce qui m'attend. Je sais qu'il va avoir évidemment les cyclopes. Allez, viens vers moi. Alors, les cyclopes qui meurent en deux secondes, hein, je veux dire, avec les couteaux. Merde. Ça fait rien, eux. Ça fait rien, eux, merci. Ils étaient bidons. Donc maintenant, il faut réussir à passer le tout. Mais merci beaucoup hein, pour les GG, franchement. On souffle et ça passe nickel. Alors maintenant ça c'est chiant. Voilà, je suis mort. C'est super chiant parce qu'il va te balancer des flammes pile aux endroits les plus relous. Et après, je réfléchis, mais normalement ma route elle est déjà toute tracée. Je pensais mourir, non c'est bon. Bah, peut-être je vais activer le doppelganger. Le doppelganger ça va me permettre de dégager le chien. Le cerbère plutôt. Alors les petites fées à ce passage là... ça fait rien. Plus besoin, plus vraiment besoin des petites fées. Tendu, jusqu'au dernier saut. Alors là, on attend. Ok. Ok, c'est passé. Maintenant, les cochons. Allez, vas-y, mon cochon, tu meurs. Et un cochon. Allez, deux cochons. Allez, hop. Non. Allez, il faut vraiment activer le truc. Les flammes, on n'en veut pas. J'étais concentré sur les flammes. Et là, le dernier gros cochon. C'est vraiment un gros cochon. Et on y va, on a passé. Ok. Il me reste une grosse séquence et on sera à Azeroth, s'il dit pas de bêtises, donc le gars violet. Ouais, ok. Non, je vois à peu près comment on va faire. Parce que là, il me faut doppelganger. On va arriver à la séquence des mouches. Voilà, des mouches. Qui m'ont dégommé. Qui m'ont enculé. Ils m'ont enculé tout de suite. Bonjour, t'es mort. Juste après le live, après les courses du magasin tranquille. Hein, franchement, ouais. Mais ouais, le jeu est très très bien. Vraiment très très bien. Et ça, c'est les séquences que t'as pas vues dedans. Hein. Les fameuses mouches. Ah, tout à l'heure, ils m'ont pas dégommé, mais là... Chier, t'as tué ma mère. Ok, une en moins. Ok, deux en moins. Réflexion. Réflexion de comment on joue. Ok. Parce que ça disparaît, si je tombe, je suis obligé de tout refaire. Donc du coup, j'attends... Faut que je joue méthodiquement pour activer mon doppelganger, puis le bon moment. Putain, merde, dégage de là. Ok. Ok, là. Là, 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 là. C'est bon. C'est bon. Toutes les mouches ont été mortes. Donc maintenant, les têtes. Oh, quoique, même pas les têtes, en fait. J'en ai rien. En fait, on s'en fout des têtes. Ah merde, on s'en fout pas des têtes. Ah merde, fallait que je tue juste les mouches et c'était bon. Merde. Salut toi, Orozco, comment ça va? T'arrives pile pour l'enfer. Alors, ça lag un petit peu, c'est normal, je sais. Mais on essaye de faire du beau jeu, il reste un niveau, donc on va essayer au moins de faire le dernier niveau. Il y a mon petit chat qui commence à gratter à la porte en plus. Alors, attends. Attends deux secondes. Oui? Attends quand je pèse déjà ça, puis après je t'ouvrirai. Alors attention, les mouches. C'est mort. Une en moins. Les mouches là, c'est bon. Putain, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Mais c'est passé quand même. Ok. Je vais activer mon doppelganger tout de suite. Parce que je vais avoir les mouches
là dans 2 secondes. Ok. Ok, là c'est bon. Après, je peux gérer les têtes. Je peux gérer les têtes sans aucune difficulté. Quoique... Non ! J'avais le truc qui s'est disparu. Putain, allez, on recommence. Oh, c'est con. Fallait... Juste, en fait, même pas besoin de toucher les têtes. Hein. Attendez 2 secondes, je vais ouvrir à mon chat parce qu'il est en train de défoncer la porte. Attends 2 secondes. Mais sinon, ouais, juste à avancer, ça passait. Dommage. Dommage, dommage. Mais sinon, il reste plus rien. Il reste vraiment 3 fois rien, là. C'est... En fait, on passe ça. Il reste une grosse séquence où il faut juste monter. Et après ça, c'est fini. C'est 100% fini et on aura fait absolument tout. Donc, on va continuer. Et on va réussir. Même si je dois galérer ma mère. Mais c'est juste dommage. Ouais, t'as pas intérêt à tomber. Je vois à peu près où sont les mouches. Oh, mais ils sont placés dans un endroit chiant. C'est trop chiant. Alors, attention, les mouches. Une en moins. Ok, 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 ok. Là, maintenant, elles sont là. Putain, j'ai eu de la chance parce que mon personnage n'était pas dans le bon sens. Là, il va en avoir une là-bas. Normalement, ça passe. Ok. Doppelganger. Il va y avoir les mouches au bout. Si je dis pas de bêtises, les mouches au bout. Ok, les mouches sont là. Et on s'en fout des têtes. Et on s'en fout des têtes. Voilà, checkpoint. Et là maintenant, c'est la dernière grosse section de... Faut sauter. Il suffit juste de sauter. Sauter est important. Non, connard, évidemment. Il y avait le magicien de ces... Oh là 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 là, tu redescends tout en bas. Tue-moi, s'il te plaît. Allez, tue-moi, ça serait sympa. Vas-y, je suis mort. Voilà, je suis mort. C'est bien. Allez hop, recommencer. Ah, il fait des Majora. Très bon jeu, Majora. On va le faire, Majora's Mask. Sur GameCube, par contre. Parce que c'est là-dessus que moi je l'ai découvert à l'époque quand j'étais plus jeune. Alors attention, c'est pas ce qu'il faut faire. C'est pas ce qu'il faut faire, mais ça passe très très bien. On est arrivé jusqu'au bout. Bah voilà, c'était... Pas besoin de se casser la tête. Et on a les marques. Et c'est bon. On est parti pour... le combat final, évidemment. Ah merde, j'aurais peut-être dû vous montrer au moins le combat final quand il apparaît et tout. Donc on est face à Astaroth. Le fameux, le même que tu avais dans tous les épisodes, tout simplement. Donc là, attention, il est pas content parce que je suis en train de le défoncer, sa mère. Donc là, on sort l'arc. Là, maintenant, on a juste à tirer comme ça. Ça m'étonnerait que je le fasse first try. Hein. Si je le fais first try, je suis bon, je suis vachement bon. Merde. Ah, attends. Là, c'est... Oh, fait chier. D'habitude, il lance jamais ses flammes. Alors là, maintenant, on va par le bas. Je vais l'enculer par le bas. En bas, c'est bien. Voilà, il en a ras le cul. T'en as assez, c'est bien. Il est badass, il est vachement cool. Et tu vois la séquence, t'as le trône de Lucifer, t'as son sbire juste là. Et là, là, tu sens la tension. Tu sens 100% la grosse tension du truc. Ok, et là maintenant, si je dis pas de bêtises. Ouais, non, il est trop loin. Généralement, il est un peu plus près sur la plateforme et tu peux le toucher comme ça sans aucune difficulté. Mais là, ouais, non, le jeu il me dit non, j'ai pas envie. Ah, c'est dur. Ah, c'est dur. Je pense pas que je l'aurai. Je pense pas du tout que je l'aurai vu comment il esquive absolument tout. Ça m'étonnerait fortement que j'arrive à l'avoir. On serait étonné. J'ai envie d'être étonné. Je joue bien, je joue vachement bien. Je suis très étonné de moi. Ok, non, c'était la dernière séquence. Allez, juste utiliser ça. Ah, fais chier, j'ai pas fait gaffe au plafond.
J'ai pas fait gaffe au plafond et c'est con. C'est con, j'étais à la dernière séquence, hein, en quelques coups il était mort. Mais ça fait rien. Ça fait rien, c'est juste une petite erreur. Petite erreur. Donc je vais quand même vous montrer, je voulais pas montrer quand même l'apparition, comment il est. C'est dommage, vraiment dommage, mais on va quand même rater quand même son apparition qui est quand même cool. Et là voilà, badass. Là tu comprends que tu vas en chier. Là tu comprends que tu vas en chier. Non, en vrai, tu vois, c'est pas... Dès que t'as absolument tout, c'est bon, c'est passé... Oui, est-ce que... Fallait l'activer, mon doppelganger. Pourquoi tu l'as... Mais putain, pourquoi t'as pas activé le doppelganger? Ok, là, on fait ça. Donc là, bidon, là, on l'explose sa mère, évidemment. On explose sa mère à coups de petits couteaux. Des petits couteaux, les petits couteaux, les petits couteaux, les petits couteaux. Oh là là, il est bien placé, il est parfaitement placé. Je peux l'avoir pile dans sa tête. Donc là, pareil. Allez, énerve-toi. T'en as assez, est-ce que t'en as assez? Dis-moi que t'en as assez. T'en as assez, des petits couteaux. On aime les petits couteaux. Allez, il en a assez. Maintenant. Pouf! On utilise le doppelganger. Et maintenant. Merde. C'est chaud, hein. C'est vachement chaud. Je pense que de toute façon, tu le comprends. Il y a des flammes partout. Il y a la lave en dessous. C'est tendu. C'est pas facile. C'est pas facile du tout. Quoique. Oh là 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 là, s'il te plaît. Reste en place. Reste en place, s'il te plaît. Reste en place, regarde-moi. Non, il faudra pas, je fais n'importe quoi, j'aurais dû avancer. Et il ressuscite pas, c'est con, je sais comment on fait, hein, mais je suis toujours sur la dernière séquence, mais en tout cas, ouais, putain, j'arrive beaucoup mieux. Les premières fois, c'était l'enfer. Les premières fois, je savais pas que, là, avec le truc de l'arsenal, et bah, c'était laisse tomber, quoi, c'était largement laisse tomber. Oh putain, il est un peu trop près, là, par contre... Allez, monte ton bide. Oh là là, tu as un ventre incroyable. T'as un petit problème de ventre, hein. Là par contre. T'as un visage sur ton ventre, c'est bizarre quand même. C'est bon, c'est passé. Ah putain, pile à côté des flammes. Ça va, y a pas de soucis. Ça se voit que je passe un très mauvais moment ou pas? Non, vas-y, sa main, comme par hasard. Faut être bien placé. Franchement, faut être bien placé. Puis il faut savoir exactement quand est-ce qu'il faut le toucher. Parce que là, après, moi, tu le vois très très mal. Où en fait, tu dois sauter impérativement. Là, regarde. Le piège à la con. Tu pouvais pas éviter. Allez, là, on en a marre. Allez, on y va. Je peux le défoncer en 2-2. Hein. En vrai, si je suis bien placé et que mon gars, il fait... Une bonne position. Putain, fils de pute, quoi, mais... Non, excusez-moi, faut pas s'énerver. Mais mille excuses, évidemment, pour la maman de ce boss. Mais juste... t'es chiant, là. Vas-y, t'es chiant, gros. Allez, vas-y, meurs. Mon doppelganger, mais te va où, là? Mais tu fais quoi? On va être en dessous, tu vas être en dessous, y a pas de souci, on va être en dessous. Y a des gens qui aiment bien être au-dessus, y a des gens qui aiment bien être en dessous. Je suis de cette personne qui fait les deux. Alors attends, je vais te mettre en... Ok, ça me permet au moins de... Déjà, le rendre pas content. Ok, ça c'est pas mal, ça c'est vraiment pas mal. Ça c'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout. Allez, il en a déjà assez. Allez, on y va. On est bon. On est vachement bon. Faut faire de la saut. Non. Oui. Allez, l'arc. Doppelganger, qu'est-ce que tu fous? Pourquoi tu le mets pas? Putain, je l'ai mal géré. Je l'ai mis trop tôt.
Je l'ai mis trop tôt et du coup, il va pas faire beaucoup de dégâts. À moins que, je dis peut-être une connerie. Ah, mais tu fais chier, me le mettre pile en dessous. C'est casse-couille. Oh, regarde, à peu de choses près, je peux le toucher. Bah, que d'un. Ah, si, je peux le toucher. Je peux le toucher uniquement dans quelques frames. Allez, doppelganger. Pouf. Il est trop loin, je le vois pas. Je le vois pas du tout. Je le vois pas du tout. Il est où? Attends. Ça se voit pas, mais mon cœur palpite. Hein. Parce que je me dis, à peu de choses près, je le bats. À peu de choses près, évidemment, il m'a défoncé. Ressuscite? Non, même pas. De jurer la maman du boss. La maman du boss, mais attends aussi, c'est trop chaud. C'est... Ah, c'est trop chaud. En vrai, ça va. Ça va largement, mais juste... Est-ce que j'ai dit que le jeu était régi par la RNG et en fait, t'as des passages... Par moment, il va être bidon, par moment, il va être pas bidon. Parce que là, les rochers, c'est 100% ça. C'est 100% la RNG veut pas, quoi. Ok, là, ça, c'est bon. C'est totalement la RNG, c'est chiant, je déteste les jeux comme ça, où tout est régi par ça. Allez, ça défonce. Allez, vas-y, meurs. Non, je peux pas passer. Oh, fiche ta putain. Non, c'est bon. Les petits oiseaux, les petites plantes, on aime bien ça. Juste, putain, tu casses les couilles. Ok, je l'ai touché. Ah, il en a plus cassé. Je l'ai touché avec un vieux couteau à la fois. Super loin, c'est tellement chaud. Non, en vrai, ça va, mais juste la putain des RNG, s'il te plaît. Marche un peu, quoi. Viens avec moi, quoi. Non, c'est mort, laisse tomber. Allez, ressuscite peut-être. Non, il ressuscite pas. C'est 100% choix. C'est qu'il y a des moments, ça va nickel. Il y a des moments, le jeu voudra pas et te mettra pas les bons items et les bonnes plateformes. Donc c'est chiant en fait. Donc du coup, bah ouais, je suis en train de faire un dé de chance là et on va voir. Un moment, ça va passer. Puis c'est bon. Regarde là. Regarde. Ça, est-ce que. Je l'ai déjà défoncé en 2-2, tu vois. C'est dégueu. Ça m'énerve. C'est le truc chiant et dégueulasse. Là, c'est pareil, là, je suis en train de le défoncer. Alors qu'avant, non, j'arrivais pas. Avant, il ne voulait pas. Regarde, il en a déjà plus cassé. Tu vois, on l'a fait en 2-2, c'est ça qui me rend fou avec ce jeu, quoi. Il y a une putain d'RNG et tu peux rien faire, quoi. Allez, vas-y, lève-moi. Ok, j'ai une bonne séquence en plus là. Bonne séquence, mais mauvais placement là. Pour le coup, le truc c'est vraiment. Il est vraiment mon cul quasiment. Allez, est-ce que tu peux t'enfuir? Oui, est-ce que tu peux faire ça? Oh là 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 là. Bien. Regarde, là j'ai une putain de bonne RNG. S'il te plaît. Mais putain, le truc l'a pas... J'ai ressuscité. Ça, c'est bon. Par contre, regarde le nombre de... Putain de trucs qui sort, là. J'ai gagné. J'ai perdu. J'avais gagné, mais le jeu m'a fait... dans la lave. Putain, pitié. Mais tu casses les couilles, quoi. Et évidemment, tu reprends le boss. Bien sûr, tu vas le reprendre, le boss. Putain, tu casses les couilles. Je t'avais battu, quoi. RNG de merde, quoi. RNG de merde. Allez, vas-y. Le nombre de chauves-souris, c'était abusé. Oh non, mais le nombre de chauves-souris, le game m'avait envoyé toute son escouade. Hein. Là, c'est... Là, tu veux que je fasse comment quand c'est comme ça? Avec autant de chauves-souris? C'est pas possible, en fait. C'est impossible de faire autant, en fait. Je suis bon, hein, mais je suis pas aussi bon que ça. Allez, vas-y, tombe. Mais ouais, le nombre de chauves-souris, là, t'as vu, c'est pas possible, tu peux pas gérer ça. C'est humainement impossible.
Ah, t'aimes bien être en bas? D'accord, y a pas de souci, je vais te taper en bas. Allez, c'est bon, t'en as plus cassé. Voilà. Toute cette haine, toute sa haine, non mais... Ah ouais, là, il y en avait partout, des chauves-souris. Surtout que j'étais bon, j'avais une bonne RNG. Putain, tu vas crever. Tu vas crever en enfer, évidemment, comme tout le monde, comme tous tes congénères. Merde, pas comme ça. Ton bro il va te mourir juste après. Putain, les chauves-souris, ça pue. Je l'ai battu. Casse toi tes trucs. Oh merci, c'est bon, c'est battu. Il m'en reste plus que Lucifer. Allez, plus que Lucifer et avec un checkpoint bien entendu, parce que bon, sans checkpoint j'aurais chialé, hein. J'aurais vraiment chialé. C'est parti pour Lucifer. Une formalité. Et vraiment, quand je te dis une formalité, je le dis souvent dans mes vidéos, mais là... Oh non, là, c'est bidon. Regarde-moi ça, le gars, il va mourir en 2-2, quoi. Il faut juste éviter ses éclairs. Allez, on évite ses éclairs. Ok. Vous savez que j'ai l'habitude de jouer à des vieux jeux. Des vieux jeux, en plus, avec des passages comme ça. Avec des petits éclairs dans tous les sens. Alors, je suis nul à chier en shoot them up, mais... on s'est bien évité. Oh, ça serait cool de le tuer comme ça en 2-2. Et bref, regarde que je vais quand même mourir, que je vais devoir recommencer comme un con. Non, attends. On est pas con, on est bon. Lucifer du premier coup, pas Lucifer du premier coup pour l'instant. Ok. Alors évidemment, il peut me... J'allais dire, ouais, évidemment, le dragon peut me tuer. Bon, Lucifer, pas du premier coup, ça fait rien, mais juste... Non, c'est peut-être parce que j'avais pas d'armes et tout, j'avais un peu la flemme. J'avais envie de recommencer le fun, évidemment. Pour le fun, en vrai, hein. Vous avez compris que j'étais une merde. Casse ta main. Oh putain, mais garde sa main, laisse... Ta main, dégage de là. Putain, il a gardé sa main pendant longtemps. Il fait jamais ça. Dégage ta main. Merde. Allez, Lucifer, c'est parti. Ok, on évite tout. C'est bidon. C'est évident, mais avant il m'a nargué, maintenant il me nargue pas. Bon, on va faire ça. Tu veux qu'on aille par là? Pas de problème, hein. Pas de problème, on va faire comme à l'ancienne, hein. Alors attention, feu de doppelganger. Non, ça sert à rien que je vais sur les dragons, je fais n'importe quoi. Parce que là j'essaye de faire des petits trucs et tout, bon, alors laisse tomber. Fais comme d'hab, tu te restes plein milieu, puis t'essayes de le défoncer. Juste, ouais, non, il a pas voulu. Il veut pas faire son pattern. Comme me narguer, me regarder un petit peu, mais non, il a pas voulu. Ça peut... c'est un peu bizarre. Là, il va le faire. Non, là, il veut pas. Dégage ta main. Non, il veut pas. Et non, il veut pas. Il veut toujours pas, évidemment. Putain! Non, mais le boss, il est bidon! Non mais franchement, il est vraiment... Je te jure, le boss en 2-2, on l'a battu. Attends 2 secondes. Mais il veut pas faire comme d'habitude. D'habitude, il vient me narguer et tout, mais là... que dalle, quoi. Ah, c'est bon, il vient me narguer. Viens là. Juste éviter les dragons. Juste attendre. Juste éviter les coups. Mais regarde, il me nargue pas du tout, en fait. Allez, vas-y, c'est bon. Je peux le défoncer. Doppelganger. On charge son coup. On charge. Voilà, là par contre. Ok, là j'ai fait bobo. Là on attend. Là on évite tout. Là on évite. Évidemment on évite. Putain, et vraiment, il casse burne. Hein. Il casse burne Lucifer aujourd'hui.
Allez, vas-y. Ok. Là, maintenant, Lucie. Elle est battue, normalement. Ah, putain, mais 20 ans, là, d'habitude. D'habitude, tu le tues en 2 secondes, là. Il veut pas. Il veut pas mourir. S'il te plaît, tu peux mourir. Voilà, elle est morte. Ghost and Goblins Resurrection sur PC, Switch, Xbox One et PlayStation 4. Terminé. Et là, je touche pas la manette. Comme ça, vous aurez au moins la fin. T'as vu le boss Il était bidon. Mais les bidons, j'ai pas eu de chance, je te dis. Les patins, ils étaient chiants. Mais là, t'as vu, la première fois, il est venu un petit peu me narguer. Là, j'ai pu le défoncer. Mais là... Non, il l'a pas voulu. Pendant 2 sections, il n'a pas voulu. Mais ouais, presque 2h30 pour le faire, ça va, tranquille. Vraiment tranquille. Il est grave stylé, par contre, cette tête. Ouais, non, franchement, il est pas mal. Et là, évidemment, on va avoir tous les personnages, tous les zombies, tous les monstres terrifiants, avec toutes les personnes qui ont travaillé dessus. Pas mal d'équipes, hein, par contre. Merci beaucoup pour vos GG. Franchement, c'est cool. On l'a fait, alors ça laguait de temps en temps, mais néanmoins, je suis content. Je suis quand même vachement content, et c'est fait, quoi. Mais vraiment, le jeu, je pense que vous l'avez compris, il est trop trop bien. Vraiment, c'est une sacrée perle. C'est une sacrée perle, et il y a des petites choses. On ne peut plus sympathique qu'on te présente, et même manette en main, tu vois, elle est top, et graphiquement... Je pense que vous l'avez compris. Certes, c'est un petit peu particulier là sur le coup, mais quand t'es bien dedans, ouais, le jeu il est magnifique, quoi. Évidemment, professeur F qui est Fujiwara. J'ai pas arrêté de citer. Et celui sur PSP est bien chaud aussi. Je l'ai pas fait. Je l'ai déjà dit. Je suis pas team PSP, donc t'as galéré contre Lucifer, mais first try, le boss push. Ouais, le boss push. Pourquoi pas. Mais non, mais ouais, c'est. Galérer sur Lucifer, non. Franchement, non. C'est juste que il voulait pas me donner les bons patterns et voilà quoi. C'est ça qui est terrible. C'est ça qui est terrible. Et je me suis dit, mais merde quoi. Il veut pas. Il veut vraiment pas. Et c'est terrible. Et voilà. Après, c'est quand même passé. C'est quand même largement passé. Et, on prend quand même du plaisir. On prend quand même énormément de plaisir avec ce jeu qui est vachement cool. Je vais rapidement vous montrer ma partie d'ailleurs. Hein, ma partie avec absolument tout. Et les différentes petites choses, je sais pas, est-ce que ça vous tente qu'on fasse la deuxième loop ou pas? Parce que sachant que ça va pas être spécialement intéressant, hein, c'est quasiment les mêmes niveaux, quasiment les mêmes choses, donc je pense pas, je sais pas du tout. N'hésitez pas à le dire. On la fera pas aujourd'hui, hein, clairement, on la fera pas du tout aujourd'hui, vu comment le jeu a ramé comme pas possible. C'est un peu dommage, mais bon, après, on fait comme on peut. Alors, moi, après, c'est parce que c'est surtout pour... Il y a aussi une question de planning, parce que le planning, il est déjà ultra chargé, donc si j'ajoute ça, voilà, ça va être tendu, hein, ça va être tendu pour la suite. Déjà, que la semaine prochaine, il y a la légende de Thor qui arrive, donc... Mais le jeu, il est top, vraiment top, c'est pour ça que je te dis... je vais quand même vous montrer au moins... voilà, tu vois, deux personnes... Je vais quand même au moins vous montrer ma petite partie avec absolument tout... toutes les compétences et les armures en plus qu'on peut débloquer. Merci beaucoup, Patozao. J'espère beaucoup que ce petit live t'a énormément plu et t'a fait rigoler. Mais vous allez voir, les trucs à la fin du jeu, quand t'as absolument tout, il y a des trucs tellement craqués, quoi. Bah, surtout l'armure que j'ai actuellement. Tu vas te dire, mais en gros, le jeu, c'est bon, tu l'as fini, quoi. Le jeu, tu le plies en 2-2, quoi. Mais même musicalement, j'y pense, ouais, ça va largement. Hein. Je dis, ouais, il n'y a pas de... Je pense que vous l'avez entendu, il n'y a pas de truc super marquant et que tu dis, oh putain, vas-y, elle déchire la bande son. Non, là, c'est très simple. C'est vachement simple, mais bon, après, voilà, je veux dire, c'est quand même pas mal. C'est quand même un syndicat qui a travaillé dessus. Hein. Et Whoopi Camp, donc oui, les gars, qui a fait Tombi, c'est là que je me suis dit... Bah attends, ce logo, je le connais, c'est le logo de Tombi. C'est là que je me suis dit, vas-y, je vais quand même regarder un petit peu ce qu'a fait Tokuro Fujiwara. Mais effectivement, là, c'est comme ça que j'ai appris qu'il a fait aussi Mega Man X. Donc c'est rigolo, tu vois. Et Tombi, bien entendu. Mais qu'est-ce que se passe-t-il? Le jeu n'est pas terminé. The end, point d'interrogation. Parce que non, le jeu n'est pas terminé. En réalité, il y a une deuxième loop.
Et cette deuxième loupe va te demander d'aller faire les niveaux ténébreux. Parce que regarde, plot twist. Ce n'est pas la vraie fin, parce que il y a encore les démons qui est là. Il y a encore des choses terribles qui se passent dans la contrée qui n'est pas encore totalement sauvée. Donc du coup, il y en a beaucoup qui disent j'ai fini le jeu, alors que non, t'as pas fini le jeu du tout, là t'as fait que la première loupe. Si tu veux vraiment finir le jeu, t'es obligé de revenir au tout début et faire les niveaux ténébreux, qui sont maintenant beaucoup plus compliqués. Alors je vais pas vous les montrer là comme ça. Ok, hop. Donc là tu refais les mêmes niveaux, mais cette fois-ci avec en mode ténèbres. Alors rapidement, je voulais vous montrer avec ma partie à moi. Ma partie qui a 204 petites fées. Bon voilà, tu vois que le jeu, je l'ai largement fait. Je vais vous le montrer rapidement. Donc déjà, tu vois, toutes les magies sont déjà là. Hein, je veux dire, tout l'arbre est fait par rapport à notre ancienne partie. Et on a aussi quelques armures supplémentaires à la fin du jeu, comme notamment l'armure de maître d'armes. Donc tu as absolument toutes les armes disponibles à ta disposition. Ou arcaniste, qui est mon armure préférée. Pourquoi? Tout simplement parce que je vais vous la montrer. Peut-être dans un niveau. Ouais, dans ce niveau-là. Vous allez voir tout de suite en jeu. Donc rapidement, hein. Tu vas comprendre pourquoi je l'aime beaucoup cette armure-là. C'est rigolo. Alors déjà, tu vas voir aussi toutes les magies que j'ai. Parce que là, on en avait 2-3, si je dis pas de bêtises, 2-3-4. Là, j'ai absolument toutes les magies. Donc là, ouais, effectivement, c'est le monde ténébreux, donc tu comprends que c'est un peu plus compliqué. Et par exemple, oh là là, je vais toucher la guillotine. Ah bah non. Ah bah non, je prends pas de dégâts, mon armure ne se casse pas. Bah du coup, tu comprends que je suis invincible. Je suis totalement invincible dans le jeu avec une armure totalement craquée. Et là, ouais, après, je peux tout de suite me mettre en armure d'or. Là-bas, même pas vu l'armure d'or, mais elle est là. Elle est là, elle est 100% disponible, elle est... Elle est palpable, mais juste non. Juste, tu comprends pourquoi Ah ouais, elle est craquée, l'armure quand même. Elle est un peu craquée. Donc ouais, effectivement, tu peux faire des dingueries, mais sinon, ouais, après, c'est le... Les niveaux ténébreux, c'est ça, c'est des niveaux beaucoup plus compliqués, avec beaucoup plus de zombies, beaucoup plus de monstres bien relous. Et évidemment, bah c'est... La difficulté est tellement plus chaude, mais bon, après, effectivement, tu peux quand même mourir, évidemment. Donc je vais pas vous montrer ça aujourd'hui, mais ça existe. C'est pour ça qu'il y a 14 niveaux uniques, parce que tu es obligé de refaire les mêmes niveaux pour refaire, évidemment, les petites boules à récupérer. Donc c'est un peu particulier. C'est jouable, évidemment, mais juste... je sais qu'il n'y a pas grand monde qui vont se lancer là-dedans, mais néanmoins, le jeu, je l'aime bien. Je l'aime bien et ça me permet de faire la quête des petites fées, et c'est comme ça qu'on les fait plus facilement et qu'on débloque aussi absolument tous les succès. Parce que je suis succès hunter évidemment de temps en temps. Ça m'arrive quand j'aime beaucoup un jeu, comme notamment celui-là. Bref, on va se remettre à l'écran de titre, comme ça je vais pouvoir faire une petite conclusion à tout ça. Hop! Merde. Mince. Faut falloir relancer le truc. Ah, tu chier. En 2 secondes. Faut pas cliquer. Il ne faut pas cliquer. Ne clique pas. Oui, je ne clique pas. Hop, je peux faire ma conclusion. Donc, bah merci d'avoir regardé ce petit live. J'espère beaucoup que ce fameux jeu vous a énormément plu. Encore une fois, mille excuses pour les différents petits lags que vous avez pu avoir au cours de cette épopée. C'est un petit peu dommage, mais voilà. Néanmoins, j'ai quand même pris énormément de plaisir. Le jeu est vraiment chouette. Encore une fois, je vous invite beaucoup à aller voir la review qu'on a fait directement du jeu. N'hésitez pas aussi directement à l'acheter, le jeu. Hey, en plus, le jeu est en promotion actuellement sur Switch à 15 €. Vraiment, c'est le moment de le prendre. C'est vraiment le moment d'essayer ce fantastique titre qui est vraiment très cool. Et encore une fois, je pense avoir déjà tout dit dans la review. Hein, je veux dire, le jeu, le gameplay, il est top. On a le droit à une technique qui est vraiment irréprochable. L'ambiance et l'univers est totalement là. C'est fun, c'est accessible. Et surtout, encore une fois, c'est du Ghosts 'n Goblins. Vraiment, pour le remake... Plutôt reboot, on va pas se mentir. Il est juste incroyable et encore une fois, c'est super génial. C'est vraiment super génial et ça vaut quand même ces 30 €, même si je me dis merde quoi, il est pas sorti en physique quoi. C'est vraiment dommage, mais si vous avez l'occasion de le choper à pas trop cher, foncez-y, c'est vraiment un incontournable. Mais enfin voilà, encore une fois, n'hésitez pas à venir directement sur Twitch.
Il y a pas mal de choses qui s'y passent là-bas. On joue à des jeux vraiment fantastiques, notamment ce fameux jeu, mais aussi du rétro. Je vous rassure un petit peu, il y a du rétro. Mais enfin voilà. Des bisous à vous, à tout bientôt, et à la prochaine, allez. Bye bye.